La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. La parole est à Madame Laurence Cristol, rapporteure de la Commission des affaires sociales, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la proposition de loi dont je suis co-rapporteur est le fruit d'un travail collectif de la majorité à laquelle j'appartiens. En propos liminaire, je tiens particulièrement à remercier Astrid Panossian qui a assuré la coordination de son écriture ainsi que notre présidente de commission pour son indéfectible soutien. Nous savons que les attentes sont fortes, que ce soit les personnes âgées, leurs familles et les professionnels. Et nous avons ici l'opportunité de transformer un certain nombre de ces attentes en actes. Inversement, certains ont tout à fait le droit de penser qu'il n'y a aucune nécessité à agir dès aujourd'hui face aux inquiétudes. Mais évitons un malentendu. Cette proposition de loi n'est pas un projet de loi gouvernemental et n'épuisera pas tous les sujets. En particulier, nous n'aborderons pas les deux points essentiels que pourrait aborder un projet de loi. Celui de la gouvernance, à propos de laquelle nous sommes tous d'accord sur le fait qu'elle doit être renouvelée. Mais force est de constater que les différentes parties prenantes ne sont pas d'accord. Il nous faudra donc aller chercher ce consensus et le gouvernement s'y est engagé. Celui du financement, il nous faut trouver 10 milliards d'euros par an à l'échéance 2030. Nombre d'entre nos collègues ont un engagement singulier sur le sujet depuis de nombreuses années et personne ne le minimise. Personnellement, gériatre et élu local avant de vous rejoindre, j'ai consacré ma vie entière aux personnes âgées. Je connais leur parcours, leurs difficultés, les difficultés de leurs aidants, l'importance des professionnels qui les accompagnent. Je sais qu'elles trouveront dans ce texte un nombre certain d'avancées concrètes. D'abord, car se préoccuper de la vie des personnes âgées exige une condition première, s'assurer du développement d'une politique plus ambitieuse de la prévention de la perte d'autonomie. L'espérance de vie en bonne santé des Français est aujourd'hui inférieure à la moyenne européenne. Cela n'est pas acceptable pour un pays comme le nôtre. Nous pouvons agir face à ce constat. La perte d'autonomie est un phénomène complexe, lié à une diversité de facteurs, mais qui peut être souvent prévenu, limité ou retardé. Mais les initiatives récentes sont à la fois trop peu ambitieuses et insuffisamment coordonnées. En effet, la mise en place des conférences des financeurs avec la loi dite ASV de 2015 est une avancée indéniable. Mais la prévention de la perte d'autonomie manque d'une impulsion nationale et mérite d'être mieux coordonnée sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi l'article 1er vise à mettre en place une stratégie ambitieuse de prévention de la perte d'autonomie coordonnée au niveau national et territorial. Il crée une conférence nationale de l'autonomie chargée d'assurer la cohérence de l'action des conférences des financeurs en définissant notamment des axes stratégiques qui seront déclinés à l'échelon territorial. Cet article est essentiel. Il a été utilement enrichi par plusieurs amendements venant de différents bancs. Le parcours des personnes en perte d'autonomie, c'est aussi un parcours du combattant pour effectuer des démarches, obtenir des droits dans le maquis institutionnel que nous connaissons. Malgré des coordinations et initiatives locales que je salue, rappelons que les personnes âgées et leurs aidants sont le plus souvent dans un parcours fait de fragilité, voire de rupture. La mise en place d'un service public territorial de l'autonomie qui a été annoncé par le gouvernement et sera apporté par ce texte est donc particulièrement attendue. Le parcours des personnes en perte d'autonomie, c'est aussi un isolement important qui ne permet pas toujours de repérer leur vulnérabilité. L'article 2 a pour objet de renforcer la lutte contre l'isolement social des personnes vulnérables qui constitue un véritable fléau en permettant aux services sociaux et sanitaires de disposer plus facilement des données permettant le repérage des personnes âgées ou en situation de handicap isolé. Nous sommes en outre plusieurs à porter un amendement qui me tient particulièrement à cœur s'agissant de la généralisation du dispositif ICOP de l'OMS qui permet le dépistage précoce, le repérage des fragilités chez les personnes de plus de 60 ans. Amplifier le aller vers, voilà encore une attente à laquelle ce texte répond. Le parcours des personnes en perte d'autonomie, c'est aussi des difficultés quant à l'égal accès à l'hébergement. L'article 9 supprime l'obligation alimentaire pour les petits-enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement. En effet, il est important que le lien familial puisse rester avant tout un lien privilégié d'affection et de transmission à l'abri des difficultés financières. L'article 10 demande par ailleurs au gouvernement un rapport portant sur le bilan de l'ASH qui devrait permettre d'identifier les raisons de son faible recours et la manière dont cette aide pourrait être renforcée.
le développement de nouvelles formes d'habitat alternatifs, dépassant le caractère binaire de l'offre, entre séparé entre le logement autonome et la prise en charge en établissement, constitue un dernier enjeu. L'habitat inclusif, qui permet à des personnes âgées ou en situation de handicap d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes, assorti d'un projet de vie sociale et d'un accompagnement, est un modèle de plus en plus plébiscité. L'article 13 de la présente proposition de loi vise à promouvoir ce modèle en rendant effectif le déploiement de l'habitat inclusif dans le parc social. Chers collègues, encore une fois, le texte que nous vous proposons n'est qu'une étape, mais une étape indispensable à la construction d'une politique du bien vieillir et afin de répondre aux défis de la transition démographique. Notre Assemblée ne peut rester silencieuse face aux attentes très fortes des personnes concernées, de leurs familles et des acteurs de terrain. Je laisse la parole à Annie Vidal, co-rapporteure du texte. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Madame Annie Vidal, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, chers collègues, nous débutons aujourd'hui l'examen d'une proposition de loi qui doit marquer une nouvelle étape dans notre politique en faveur du bien vieillir. Nous le savons, les enjeux sont considérables. Les baby-boomers auront 85 ans en 2030. Le nombre des 75-84 ans va enregistrer une croissance inédite de 49% d'ici à 2030, passant de 4 à 6 millions. Cette transition démographique pose à notre société d'immenses défis auxquels nous devons répondre en anticipant ces transformations sociétales. C'est ce que nous faisons avec cette proposition de loi. Je veux rappeler ici que cette proposition de loi de la majorité n'est pas le projet de loi que vous évoquez toutes et tous depuis que ce texte a été publié. Celui-ci s'inscrit dans une démarche pragmatique avec des mesures concrètes. Il n'épuisera pas, certes, le sujet du grand âge, mais il aborde des sujets sociétaux et propose de faire ce qui peut être fait sans plus attendre. Je suis convaincue qu'avec cette proposition de loi, nous contribuons à bâtir la société du bien vieillir. Il s'agit d'une première pierre indispensable, en parallèle et en cohérence avec les travaux du CNR, et en amont de la stratégie ministérielle qui sera déclinée dans la feuille de route que présentera le ministre prochainement. Et je sais, Monsieur le Ministre, pouvoir compter sur vous. Ce texte s'inscrit dans la poursuite des engagements de la majorité depuis 2017, à savoir la création de la branche autonomie ou encore l'instauration d'un tarif plancher pour les prestations d'APA et de PCH. Je veux également rappeler la trajectoire dynamique de recrutement inscrite dans la loi de finances de la Sécurité sociale et je n'évoquerai pas, faute de temps, la réforme en cours des services autonomie ni celle de la tarification des actes infirmiers à domicile. Nous portons aux articles 3 à 5 la promotion de la bientraitance et je veux dire ici que c'est le cas dans la majorité des établissements. Pour cela, nous créons une instance dédiée au recueil, au traitement et au suivi des signalements. Et nous confortons le droit à une vie privée et familiale, notamment le droit de visite des résidents, si nécessaire pour leur bien-être. Nous précisons également le rôle des mandataires judiciaires. En commission, nous avons adopté des amendements visant à préciser le rôle et les missions de la personne de confiance et d'autres visant à renforcer la protection des majeurs vulnérables par des mesures de simplification qui ont fait consensus lors des États généraux de la justice et qui sont attendues par les professionnels. Par ailleurs, nous souhaitons reconnaître le métier des professionnels du domicile, maillon essentiel du virage ambulatoire que nous appelons tous de nos voeux. Pour cela, nous créons à l'article 6 une carte professionnelle qui facilitera également le travail au quotidien. En outre, à l'article 7, la CNSA apportera un soutien financier aux départements qui portent des aides à la mobilité. De plus,
nous souhaitons clarifier l'organisation et le financement de l'offre de soins à domicile par une demande de rapport à l'article 8. Enfin, nous confortons à l'article 12 notre politique d'évaluation de la qualité des établissements et services médico-sociaux avec l'accréditation des organismes évaluateurs, une obligation de transparence et de lisibilité des résultats et la publication des indicateurs. Enfin, nous précisons les critères de renouvellement de l'autorisation de ces établissements. Chers collègues, pour ces mesures attendues, j'en appelle à votre responsabilité. Il ne s'agit pas de porter une posture politique, mais d'apporter des réponses concrètes aux personnes vulnérabilisées par l'âge ou le handicap. Ils le méritent, nous leur devons. Ils sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses ou nos amis. Cette proposition de loi vise à améliorer concrètement leur situation au plus proche de leurs attentes et des préoccupations de leur famille. Mes chers collègues, nous devrions tous nous rejoindre autour des enjeux sociétaux que porte cette proposition de loi. Je n'imagine pas que cela puisse être autrement. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Madame Fadila Khattabi, présidente de la Commission des affaires sociales, pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Le sujet qui nous réunit ce soir constitue un enjeu majeur pour lequel, il faut le souligner, les attentes des Français comme des professionnels du secteur sont très fortes. Et pour cause, la question du grand âge n'est pas une problématique nouvelle. C'est la raison pour laquelle je me réjouis de l'examen de cette proposition de loi visant à bâtir une société du bien vieillir. Car nous le savons, la valeur d'une société dépend indéniablement de la façon dont nous traitons nos aînés. Avant toute chose, je tiens à rappeler que ce texte s'inscrit dans la suite logique d'une politique menée depuis plusieurs années maintenant. La création de la 5e branche autonomie de la sécurité sociale sous la précédente mandature a marqué un virage crucial. Je vois que ça fait réagir. Souhaité par toutes et tous. Il fallait le faire, et bien nous l'avons fait. Cette 5e branche permet désormais de financer la politique publique du grand âge avec des moyens conséquents, puisque les dépenses engagées atteindront pas moins de 42 milliards, soit 10 milliards de plus par rapport à 2021. Mais nous le savons, la problématique n'est pas uniquement financière. La place que nous consacrons aux personnes âgées dans notre société, dans notre pays, constitue également un enjeu sociétal pour lequel nous devons trouver des réponses adaptées à la réalité d'aujourd'hui, à savoir une population de plus en plus vieillissante et donc de plus en plus dépendante. Le scandale Orpea, véritable onde de choc, est venu confirmer les alertes mises en lumière par les nombreux travaux parlementaires menés ces dernières années. À ce sujet, je veux saluer le travail de qualité de mes collègues Monique Iborra et Caroline Fiat, qui ont, au cours de la précédente législature, présenté un excellent rapport en 2018. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui ont participé au cycle d'auditions et aux missions parlementaires que nous avions initiées suite aux révélations de l'enquête du journaliste Victor Castanet. Enfin, je me dois également de rendre hommage à l'action de votre prédécesseur, Monsieur le Ministre, à savoir Brigitte Bourguignon, qui, à la suite de nos travaux, a su entendre nos propositions et a permis non seulement d'augmenter les effectifs en EHPAD, mais aussi et surtout de renforcer notre politique de contrôle des EHPAD, sans oublier bien sûr le virage domiciliaire favorisé par les mesures issues du Ségur. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le texte qui nous occupe aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec l'ensemble de ces actions passées et exprime surtout le souhait de la majorité parlementaire d'acter de nouvelles mesures, marquant ainsi la poursuite de notre engagement sur le sujet. Je pense notamment à la prévention de la perte d'autonomie, à la lutte contre la maltraitance, à la protection des personnes et de leurs droits, mais aussi à la reconnaissance des professionnels du domicile, puisque le virage domiciliaire reste
reste bien sûr l'une des pierres angulaires de la réforme du grand âge. Je ne m'attarderai pas sur le contenu précis de ce texte, car les rapporteurs, dont je salue le travail, ont parfaitement réalisé cet exercice, mais j'aimerais tout de même revenir sur nos travaux en commission. En effet, porté par la majorité, ce texte n'en demeure pas moins l'affaire de toutes et tous. C'est pourquoi l'examen en commission des affaires sociales a été marqué par l'adoption, tenez-vous bien, de 102 amendements émanant de tous les bancs de cet hémicycle. D'où mon étonnement, mes chers collègues. Bien sûr, je suis étonnée quant à la motion de rejet préalable présentée par le groupe GDR. Permettez-moi d'être étonnée, car vous l'aurez compris, notre objectif reste le même. Cette proposition de loi a vocation à être enrichie, et ce, dans un état d'esprit de co-construction sur un sujet qui doit nous rassembler au-delà de nos clivages. Car oui, cette proposition de loi est un appel également à vous, Monsieur le Ministre, afin d'impulser de nouvelles avancées en faveur du grand âge, sur la base, bien sûr, des conclusions du CNR Bien vieillir et de la mission confiée à Madame Pires Beaune, afin de compléter cette réforme pour laquelle il ne nous est plus permis d'attendre. Aussi, nous comptons sur vos engagements, Monsieur le Ministre, et sur les orientations de votre feuille de route. Mais je compte également sur l'ensemble des députés dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Vous m'entendez pas ? Peut-être remonter le... Voilà. Nous sommes réunis cette semaine pour construire une nouvelle étape en faveur du grand âge dans la suite de la trajectoire initiée en 2020 avec la création de la cinquième branche de la sécurité sociale. Cette nouvelle étape est attendue par nos 68 millions de concitoyens parce que quand on traite du grand âge, on ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées. On parle aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants et plus largement à toutes celles et ceux qui, demain, dans ce secteur d'avenir, trouveront des opportunités sur le marché du travail. Cette nouvelle étape est aussi attendue par un secteur, par ses milliers d'établissements et services publics, associatifs ou privés commerciaux et son million de professionnels engagés aux côtés des personnes âgées. Cette nouvelle étape est attendue et cette nouvelle étape nous rassemble. Elle rassemble les experts et les professionnels de terrain dont les rapports convergents de ces dernières années trouvent ici des traductions concrètes. Elle intervient après des temps d'échange importants au cours des 6 derniers mois dans le cadre du Conseil national de la refondation. De ces échanges, je retiens le souhait des Français de vivre pleinement le troisième et le quatrième âge. Ils m'ont dit leur volonté de voir le grand âge sortir du seul lexique médico-social. Ils m'ont aussi dit leur souhait que les séparations imposées par le Covid ne se reproduisent plus jamais. Ils m'ont dit enfin l'importance de traiter toutes les dimensions sociétales de ces questions, le logement, le lien social, mais aussi les sujets les plus difficiles, comme la maltraitance ou la vie avec la grande dépendance. Cette nouvelle étape parle aux parlementaires et élus locaux de tous bords, engagés depuis des années pour faire advenir cette société du bien vieillir. À l'heure d'aborder avec vous l'examen de cette proposition de loi issue de la majorité, je tiens à saluer, mesdames et messieurs les députés, l'engagement de vos rapporteurs, Laurence Christol et Annie Vidal, que je tiens à remercier très sincèrement, de la présidente de votre commission des affaires sociales, Fadila Khattabi, et de vous toutes et tous qui avez produit rapports et propositions de loi ces dernières années et que je ne pourrai citer avec exhaustivité, pardonnez-moi, les rapports Janvier, Iboura, Isaac Sibyl, Fiat, Valentin, Gage, Daréville, les propositions de loi Hetzel ou Corneloup, et j'en oublie bien sûr. C'est la somme de ces travaux qui a nourri non seulement les attentes, mais aussi une grande part des idées que nous aurons à débattre cette semaine. Des idées qui constitueront des enrichissements substantiels à cette réforme continue qu'il nous faut mener ensemble. Le texte qui vous est proposé aujourd'hui et que vous avez enrichi lors de son examen en commission vient compléter les mesures portées ces dernières années.
J'ai déjà évoqué la création en 2020 de la branche autonomie de la sécurité sociale, promise depuis des années par les gouvernements de droite comme de gauche. Cette branche, nous l'avons dotée en 2021 de moyens financiers à la hauteur des enjeux, détaillés dans une programmation pluriannuelle ambitieuse. Le volume des dépenses passera de 32 milliards d'euros en 2021 à 42 milliards en 2026. Nous avons notamment prévu une dynamique de recettes portée par l'affectation d'une fraction de CSG supplémentaire à partir de 2024 et qui représente un engagement considérable. Je tiens aussi à rappeler que sur les dernières années, nous avons pris des mesures fortes pour renforcer le soutien du secteur du domicile, avec par exemple la mise en place d'un tarif plancher et son indexation sur l'inflation, avec la création d'une dotation qualité, finançant 3 euros supplémentaires par heure d'intervention, ou encore avec l'ajout de 2 heures de vie sociale supplémentaire par semaine dans tous les plans d'aide. Pour augmenter les salaires, grâce au Ségur et aux accords Laforcade, et les effectifs dans les EHPAD, avec, je le rappelle, la consécration par la loi de financement de la sécurité sociale d'une trajectoire inédite de recrutement de 50 000 professionnels soignants supplémentaires dans les prochaines années. Pour rénover les EHPAD et améliorer les systèmes d'information, avec un investissement de plus de 2 milliards d'euros décidé dans le cadre du Ségur. Et enfin, pour rétablir la confiance après le choc de l'affaire Orpea, avec non seulement la multiplication des contrôles et l'augmentation des sanctions pour les établissements fautifs, mais aussi l'ouverture des EHPAD pour en faire des centres de ressources territoriaux et le soutien à l'investissement et au développement des tiers-lieux. Ces mesures portent déjà leurs fruits sur le terrain, même s'ils nous font bien sûr aller plus vite et plus loin. Et cette proposition de loi va justement nous permettre de faire un pas supplémentaire dans cette direction. Ce pas, aujourd'hui, c'est un pas sociétal. C'est-à-dire que les sujets que nous allons aborder dépassent les questions strictement médico-sociales de l'accompagnement. Les questions que nous allons aborder, ce sont celles de la vie quotidienne de tous les Français qui avancent en âge et de leurs proches, et touchent aussi les personnes en situation de vulnérabilité, de handicap. Je remercie les députés de la majorité présidentielle qui ont fait le choix de porter ce texte qui crée des améliorations concrètes pour la vie de tous les jours. Trop souvent, le débat relègue ces questions du quotidien au second plan, derrière des enjeux financiers ou structurels beaucoup plus abstraits pour les Français. Les questions que nous allons nous poser sont très pratiques. Comment lutter contre l'isolement social des personnes âgées et mieux les associer aux décisions qui les concernent? Quelles démarches et quelles aides techniques mettre à leur disposition pour leur permettre de se préparer au vieillissement et pour prévenir la perte d'autonomie? Comment, de la mémoire de la crise sanitaire, tirer toutes les leçons pour garantir à chaque famille de pouvoir rester unie, quelle que soit l'institution où réside son proche? Comment répondre sans tabou au risque de maltraitance? Comment soutenir véritablement les professionnels qui accompagnent nos aînés? Des questions absolument fondamentales, et c'est bien pour cela que le gouvernement a fait le choix non seulement d'inscrire ce texte d'origine parlementaire sur son temps législatif, mais aussi de travailler et de proposer avec les députés un certain nombre d'enrichissements. Ceux-ci ne surprendront pas celles et ceux nombreux qui connaissent ces sujets dont nous traitons. Ces propositions, ce sont celles du consensus des experts pour répondre aux besoins du terrain, aux problèmes concrets qui s'interposent entre la volonté des Français et la réalité de l'accompagnement proposé. Que veulent les Français? Vieillir à domicile. Et c'est pour ça que nous donnons la priorité à la prévention, pour qu'ils puissent rester plus longtemps chez eux et autonomes. Le texte propose de généraliser les équipes locales d'accompagnement dans l'accès aux aides techniques, dont l'équipement et la bonne utilisation sont un levier majeur pour le maintien de l'autonomie. Pour aller plus loin, nous proposons de généraliser un dispositif de repérage précoce des fragilités avec le programme ICOP de l'Organisation mondiale de la santé, mis en place par le professeur Velas à Toulouse et dont les expérimentations sont concluantes. Bien vieillir chez soi, c'est aussi vieillir en conservant un lien social. La lutte contre l'isolement social doit être une priorité nationale et le texte propose par exemple la possibilité de mobiliser le registre canicule au niveau des communes et grâce au travail en commission, l'inscription dans le registre sera automatique avec leur accord pour les bénéficiaires de l'APA, de la PCH ou encore de l'aide sociale du département. C'est une mesure importante qui permettra de pouvoir leur proposer des actions de maintien du lien social ou de favoriser leur accès aux droits. Le deuxième enjeu pour permettre aux Français de vieillir chez eux, c'est de soutenir les professionnels du domicile et de proposer des alternatives entre le tout domicile et l'EHPAD.
C'est pour cela que le texte propose de répondre à trois attentes prioritaires exprimées par les professionnels. D'abord, la création d'une carte professionnelle très attendue. Ensuite, un financement en soutien à la mobilité verte des aides à domicile. Et enfin, nous proposerons également un amendement pour financer des temps d'échange et d'analyse des pratiques au profit des aides à domicile. Le texte vise à soutenir le développement de solutions d'accueil intermédiaires. Nous avons besoin de ces alternatives nécessaires entre le domicile et l'EHPAD. La priorité, c'est le domicile. Mais nous avons aussi besoin d'EHPAD de qualité. Pour cela, nous devons apporter aux Français une réponse politique forte au scandale Orpea qui a profondément fragilisé le lien de confiance. Cette crise, elle a été le révélateur de difficultés qui étaient déjà là et il faut donc une approche globale qui dépasse la seule question des contrôles. Des EHPAD de qualité, ce sont des EHPAD avec des professionnels en nombre suffisant. C'est pour cela que nous comprenons la volonté d'inscrire en dur, dans la loi, l'objectif de 50 000 recrutements supplémentaires de soignants en EHPAD d'ici 2027, ainsi que la publication des taux d'encadrement en EHPAD qui permettra à chaque Français de pouvoir être bien informé. En matière de qualité dans l'accompagnement, le texte propose aussi d'améliorer les modalités d'accréditation des évaluateurs et de créer une obligation de transparence et de publication d'indicateurs de qualité et de résultats d'évaluation. Grâce au travail en commission, les missions du médecin coordonnateur seront élargies pour un meilleur suivi médical des résidents. Améliorer l'accueil en EHPAD, cela passe par ailleurs par une lutte déterminée contre les maltraitances et pour les droits des personnes. Le texte propose des avancées majeures qui tiennent compte notamment des préconisations du défenseur des droits, avec l'inscription dans la loi de la garantie du droit de visite, dont j'ai pu constater la nécessité absolue à travers tous les récits des personnes et des proches qui m'ont parlé de la crise sanitaire, avec la mise en place d'une instance territoriale de signalement permettant une coordination indispensable des acteurs, comme elle existe déjà depuis 15 ans pour les mineurs, avec le contrôle systématique des antécédents judiciaires pour les professionnels qui exercent dans le champ du médico-social, parce que là où il y a vulnérabilité, il doit y avoir sécurité. Ou encore, avec des mesures facilitant pour les personnes et pour les familles le recours à la protection juridique qui reste mal connue de nos concitoyens, mais qui constitue un appui très précieux pour protéger les personnes dans le respect de leurs capacités. Enfin, toujours afin d'assurer un accompagnement de qualité, nous souhaitons porter des mesures fortes en matière d'éthique du secteur privé commercial afin de redonner confiance aux familles et garantir un bon usage des financements publics. Je l'ai toujours dit, gérer des EHPAD, ce n'est pas gérer des chambres d'hôtel. Nous proposons plusieurs dispositions pour renforcer le rôle du service de protection des consommateurs, notamment pour sanctionner les facturations abusives en EHPAD et pour renforcer le rôle des ARS en cas de transfert d'un EHPAD public vers une structure privée. Nous proposons également de rendre obligatoire le statut d'entreprise à mission pour les groupes privés pour garantir que le rendement financier est toujours au service du progrès humain. Enfin, nous proposerons d'obliger les groupes privés à réinvestir une fraction de leurs bénéfices pour des actions d'amélioration des conditions d'hébergement des résidents. Le troisième enjeu, pour répondre aux problèmes concrets qui se posent, c'est de mettre fin au parcours du combattant dans l'accès au parcours d'accompagnement. Le cœur de cette simplification des démarches, c'est la création du service public territorial de l'autonomie, permettant une réponse coordonnée de tous les acteurs sur un territoire donné, dans une logique de guichet unique pour les personnes âgées et leurs familles. Nous reprenons donc la proposition du rapport Libault à l'issue d'une longue phase de concertation avec tous les acteurs de terrain. Cette organisation permettra de simplifier les parcours et de placer la responsabilité de coordination des acteurs locaux auprès du département. C'est une petite révolution qui permettra de garantir que chaque demande d'une personne âgée, d'une personne handicapée ou d'un aidant obtienne une réponse complète et coordonnée entre tous les acteurs de l'autonomie. Vous le savez, derrière cette question du parcours des personnes âgées se pose celle de la gouvernance de la politique de l'autonomie. La gouvernance et le financement des EHPAD font l'objet de questionnements, mais aussi de propositions, et avancer sur ces projets ne peut se faire sans un travail approfondi avec Départements de France, qui a manifesté d'ailleurs sa volonté de réfléchir au modèle de l'EHPAD de demain, et je souhaite y travailler avec eux pour nous permettre de faire des propositions dans un prochain texte. De manière complémentaire, les travaux menés par la députée Pires Beaune sur le reste à charge
sont en cours et ne permettent pas d'aboutir à des propositions pour ce texte, feront également l'objet d'une attention toute particulière pour les prochains textes. Mesdames et messieurs les députés, vous le savez, toutes ces mesures et celles que le débat permettra d'ajouter sont attendues par les personnes âgées ainsi que par le secteur. C'est pour cela que depuis ma prise de fonction, je suis constant dans mon approche. Chaque fois qu'une mesure est prête et chaque fois que l'opportunité se présente pour la traduire opérationnellement, nous devons collectivement le faire. C'est une approche pragmatique et collégiale. Certains voudraient un grand soir du grand âge et une promesse à 17 milliards d'euros qui n'est ni crédible ni soucieuse des engagements financiers déjà intégrés dans la trajectoire pluriannuelle. Mon approche, c'est une approche de bon sens, pragmatique, permettant d'avancer sur des questions sociétales dès cette semaine sur des trajectoires financières et pluriannuelles en loi de financement de la sécurité sociale. Les débats du CNR Bien Vieillir permettent de se nourrir des idées du terrain et d'alimenter une feuille de route globale dont l'essentiel n'est pas législatif pour la politique du grand âge. Cette feuille de route, je la consoliderai dans les prochaines semaines avec des actions interministérielles structurantes et concrètes, comme une nouvelle stratégie pour soutenir les aidants, un plan de prévention des chutes à domicile, première cause de décès, le déploiement de ma prime Adapt pour soutenir financièrement l'adaptation des logements, un plan d'attractivité des métiers pour inverser la tendance et réussir la trajectoire de recrutement dont nous avons besoin, la Conférence nationale du handicap qui proposera notamment des mesures pour accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap, et enfin la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances qui s'appuiera sur les états généraux actuellement en cours. Mesdames et messieurs les députés, nous avons l'occasion ensemble, grâce au travail initié par la majorité présidentielle, d'avancer dans les réponses aux défis du grand âge et de la transition démographique. Bien sûr, je ne méconnais pas les désaccords et les voix qui appellent à plus d'ambition. Mais je pense que nous pouvons nous retrouver sur chacun des articles de cette proposition de loi, sur les amendements qui ont été adoptés en commission et sur les enrichissements que nous portons et qui seront discutés cette semaine. Ce sont des mesures attendues des personnes âgées, de leurs familles, mais aussi des professionnels du secteur. À la fin de la semaine, je forme le vœu que nous puissions nous tourner tous ensemble vers les personnes âgées, vers leurs familles, vers les professionnels, pour leur dire « Voici les nouvelles avancées que nous vous proposons et voici le chemin qui reste à parcourir. » Je forme également le vœu que chaque Français puisse comprendre que cette question du grand âge ne concerne pas que les personnes âgées. C'est aussi une question de justice sociale et de réduction des inégalités. Adapter son logement, accéder aux services, être protégé face à ces besoins, nous savons que nous ne sommes pas tous égaux. Les personnes âgées qui n'ont pas suffisamment de moyens ou qui n'ont pas la chance de pouvoir être accompagnées dans leur démarche par un fils ou une fille sont parfois dans des situations doublement difficiles. Ne rien faire aggrave ces inégalités et notre action permettra donc de les réduire. La question du grand âge, c'est un levier de consolidation du vivre ensemble. Je l'ai expérimenté des centaines de fois à la Croix-Rouge. Mettre les vulnérabilités au cœur de nos sociétés, c'est un progrès pour tout le monde. C'est un générateur de solidarité, c'est un créateur de liens sociaux, c'est un démultiplicateur d'engagement, mais c'est aussi un accélérateur d'humanité. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. J'ai reçu de monsieur André Chassaigne et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine NUPES une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à monsieur Yannick Modet pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de Commission, chers collègues. Les députés communistes et les députés ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine auraient aimé ne pas avoir à soutenir une motion de rejet contre la proposition de loi portant mesure pour bâtir une société du bien vieillir en France. Parce qu'alors, cela aurait signifié que nous aurions enfin débattu sérieusement d'un texte prenant à bras-le-corps la prise en charge des personnes vieillissantes et plus largement celles en perte d'autonomie. Mais malheureusement, ni le sérieux ni l'ambition ne sont au rendez-vous avec cette proposition de loi. Et j'ajouterai, ce qui n'est pas un moindre motif de rejet, que la juste association des parlementaires que nous sommes n'est pas davantage au rendez-vous.
Et pourtant, le seul titre de la proposition, « Bâtir une société du bien vieillir », s'annonçait prometteur. Parce que cela, je vous l'accorde, il est plus que temps de bâtir, c'est-à-dire de poser des fondements solides, stables, durables à un système de prise en charge des personnes vieillissantes. Il est urgent que l'on vieillisse bien dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup trop nombreuses sont les familles en détresse quand il faut organiser la prise en charge d'un proche. Beaucoup trop nombreuses sont les personnes vieillissantes qui ne peuvent toujours pas choisir où elles finiront leurs vieux jours. Beaucoup trop d'inégalités sociales et territoriales persistent jusque dans la vieillesse. Beaucoup trop nombreux également sont les professionnels démunis par manque de moyens pour accomplir comme ils le souhaitent leur mission d'accompagnement. Beaucoup trop nombreux sont les professionnels épuisés par la dureté et le manque de reconnaissance de leur métier. Alors oui, il y a urgence à bâtir une société du bien vieillir. Car comment allons-nous collectivement affronter avec dignité un avenir tout proche où le nombre de personnes âgées sera nettement plus important, où si l'on ne parvient pas déjà à présent à poser les bases solides du bien vieillir, dans les 20 prochaines années, le nombre de personnes de plus de 75 ans va quasiment doubler et représenter près de 11 millions de personnes, compte un peu plus de 6 millions aujourd'hui. Nous parlons là de notre capacité à prendre soin de nos proches. Sans volonté politique forte, comment allons-nous faire ? À ce jour, les difficultés sont pourtant clairement identifiées, nommées, circonscrites. Tout d'abord, les cris d'alarme des professionnels et des familles directement concernées sont nombreux pour qui veut les entendre. Ensuite, les rapports documentés, chiffrés, argumentés ne manquent pas. Le rapport Libault de 2019, visant déjà à réformer la politique du grand âge, le rapport El Khomri en 2019 aussi, pour rendre attractifs les métiers du grand âge, le rapport Vacher en 2020 sur la branche autonomie, celui de notre collègue Jérôme Guedj en 2020 aussi pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, le rapport Beaune et Meunier en 2021 sur la prévention de la perte d'autonomie, puis celui de 2022 sur le contrôle des EHPAD, sans compter les rapports de la Cour des comptes, de la Défenseur des droits ou encore ceux du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. À quoi s'ajoute, implacable, la réalité des drames dont nous devons, nous tous ici, nous, la représentation nationale, nous sentir comptables parce que nous avons tardé à prendre des décisions qui s'imposent. Je pense bien sûr aux épisodes de canicule et à ces innombrables décès dans la plus grande solitude. Je pense à la crise Covid et ces personnes âgées coupées de leur famille, au parcours d'accompagnement et de soins interrompus. Je pense encore au livre de Castanet qui a fait éclater au grand jour les dérives du groupe privé Orpea et ses conséquences douloureuses sur l'ensemble du corps social et médico-social. Et là encore, les parlementaires, quel que soit leur groupe politique, ont enchaîné les auditions, les rapports, les propositions. Au lendemain du scandale Orpea, notre commission des affaires sociales aura diligenté pas moins de 4 missions flash, toutes tournées à la fois vers la réparation et la construction d'une meilleure prévention de la perte d'autonomie et d'un meilleur système d'accompagnement des personnes vieillissantes. Ces seules missions flash auront à nouveau posé clairement la question des moyens, l'articulation entre les différents acteurs du grand âge, les difficultés nées de la privatisation des métiers, du soin et du lien. La motion de rejet que mon groupe défend aujourd'hui est un appel à avoir du courage, à ne pas se satisfaire d'un pis-aller en attendant de faire mieux une prochaine fois. Les acteurs concernés et les familles attendent mieux de nous. Nous ne pouvons plus nous contenter de petits pas, de premiers jalons d'une hypothétique loi d'envergure qui ne finit de se faire attendre. Il faut que nous ayons le courage de légiférer en grand. Et nous, parlementaires, sommes légitimes à l'exiger aujourd'hui, puisque nous avons accompli notre devoir à travers les multiples rapports que j'ai cités, en œuvrant à notre échelle, en lien avec nos partenaires institutionnels et associatifs, attendez d'apporter des réponses pour améliorer les choses dans nos territoires. Emmanuel Macron, lui, n'a consenti que des promesses qu'il a au final jamais tenues. Déjà en juin 2018, le président de la République s'était engagé à porter une loi relative à la dépendance. Il avait réaffirmé cet engagement en juin 2020. Finalement, avant la fin de son premier mandat, quelques mesures ont été introduites dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont notamment la création d'un tarif minimum pour l'allocation personnalisée d'autonomie de 22 euros, assortie d'une dotation horaire supplémentaire de 3 euros selon le respect de certains critères. Une légère revalorisation salariale a été accordée au personnel soignant des EHPAD dans le cadre du Ségur, avec toutefois
les inégalités connues dans l'attribution de cette prime, qui en outre, rappelons-le, n'est pas du salaire. Ces petits pas sont toujours moins à prendre, mais ils ne répondent absolument pas aux enjeux d'une loi grand âge. Un certain nombre de questions fondamentales demeurent, non traitées et sont sans cesse repoussées. Les sources de financement de la cinquième branche, la diminution du coût d'hébergement en maison de retraite, le trop faible nombre de professionnels par résident, la création suffisante de postes en EHPAD, un meilleur financement de l'APA, les insuffisances de moyens de la gériatrie, une véritable revalorisation des personnels sociaux et médico-sociaux, ou encore l'accomplissement du virage domiciliaire. Alors oui, face à ces constats objectifs, les parlementaires et l'ensemble de nos concitoyens étaient fondés à attendre qu'Emmanuel Macron et son gouvernement honorent leurs promesses. Nous étions en droit de débattre aujourd'hui d'un projet de loi d'envergure sur le grand âge, plutôt que de débattre de quelques mesures parcellaires qui, de surcroît, voudraient nous faire croire qu'elles bâtissent une société du bien vieillir. Permettez-moi de le dire abruptement, si l'on bâtit le bien vieillir sur la base du contenu de cette proposition de loi, la maison va être un peu de guingois, les malfaçons nombreuses et le risque d'effondrement certain. Alors c'est vrai, les rapporteurs nous l'ont dit dès le début de la commission, cette proposition n'est pas un projet de loi et n'a pas à vocation à s'y substituer. On avait bien compris au regard du contenu. Mais quand même, cette proposition est plus qu'étroitement rédigée avec le ministre des Solidarités. Davantage, les rapporteurs en commission nous ont indiqué que cette proposition de loi serait augmentée par des amendements du gouvernement en séance en fonction des conclusions du CNR sur le bien vieillir. Mais alors, quelle est la place des parlementaires dans cet exercice? Si cette proposition de loi doit être la traduction de la feuille de route du ministre des Solidarités et du CNR bien vieillir qu'il pilote, le véhicule législatif aurait bien pu être un projet de loi, avec notamment une étude d'impact qui nous a manqué sur de nombreux sujets, avec la présence du ministre en commission qui aurait pu répondre à toutes nos questions dans une séquence où nous pouvions amender le texte. Aux commissaires de nombreux groupes politiques qui manifestent leur incompréhension de la forme et de la méthode, les rapporteurs ont encore pris soin de préciser que si ce texte avait été un projet de loi, il aurait abordé deux grands sujets. La gouvernance de notre système de prévention de la perte d'autonomie et de soutien à l'autonomie et la question des financements. Oui, mais alors justement, je me demande comment on bâtit à moyens constants. En faisant l'impasse sur les moyens humains et financiers pour répondre aux besoins, ces besoins que les multiples rapports ont identifiés. La commission n'a eu que deux seules réponses. La première, soyez rassurés, il y aura un PLFSS. Excusez-moi, mais ma première expérience du PLFSS en octobre dernier, avortée à coup de 49-3 intempestif, n'a pas été très convaincante et donc cette réponse me rassure guère. Et la seconde réponse, vous pourrez interroger le ministre au banc en séance, vous n'aurez qu'à lui demander des engagements. Mais enfin, si c'est pour en arriver là, pourquoi encore une fois ne pas avoir eu le courage, monsieur le ministre, de nous soumettre aujourd'hui un projet de loi grand âge? Et puisque les rapporteurs m'ont enjoint de vous interpeller en séance, à obtenir de vous des engagements, vous engagez-vous, monsieur le ministre, si cette proposition de loi n'était pas débattue dans les prochaines heures, à soumettre à cette Assemblée le projet de loi grand âge que nos concitoyens attendent ardemment et qu'Emmanuel Macron leur a maintes fois promis? Parce que, croyez-moi, de notre côté, nous serons tous au rendez-vous si vous nous soumettez un tel projet. La motion de rejet de la proposition de loi visant à bâtir une société du bien vieillir exprime donc à la fois un désaccord et une exigence. Le désaccord porte sur la forme, la méthode et le fond de ce texte. Nous sommes face à un texte parcellaire dont, bien sûr, beaucoup de sujets qui y figurent ne sont pas négligeables, comme par exemple la lutte contre la maltraitance ou la mise en place d'une carte professionnelle. D'autres, comme la mise en place d'une conférence nationale de l'autonomie, touchent à la structuration du système et auraient mérité une étude d'impact. D'autres, enfin, sont une PPL dans la PPL. Je pense au titre 2 bis, introduit par voie d'amendement en commission par les rapporteurs et qui porte sur le principe de subsidiarité pour les personnes protégées. C'est un sujet qui aurait à tout le moins mérité l'expertise de la commission des lois. Cette proposition de loi est donc une accumulation de dispositions inégales, parfois incongrues et surtout qui ne forment pas une unité. Ni une unité intellectuelle, ni une unité d'action.
parce qu'il y manque une orientation politique. Ces dispositions ne bâtissent rien. Elles tentent tout juste de colmater quelques brèches, traitent de la forme, mais jamais du fond. Parce qu'aussi, c'est un texte qui contourne l'ensemble des problèmes structurels liés au grand âge, dont il est pourtant urgent que nous discutions pour précisément savoir enfin quelle société du bien vieillir nous voulons bâtir. Quelles orientations assignons-nous à la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie pour qu'elle soit le cadre et l'outil d'une réforme structurelle du grand âge? Avec quel financement et à quelle hauteur? Comment rendre accessibles les EHPAD? Comment réduire drastiquement le reste à charge? Comment revaloriser toute la profession? Outre les rémunérations largement insuffisantes, comment comptons-nous donner à ces professionnels qualifiés et dévoués les moyens d'exercer correctement leur mission? Quand définirons-nous une politique du logement ambitieuse qui permettra aux personnes vieillissantes de demeurer chez elles, quand elles le souhaitent, avec la mise à disposition des adaptations nécessaires? Toutes ces questions, nous y sommes confrontés au quotidien dans nos permanences, que ce soit les salariés de ce secteur, les responsables d'établissements et de services, nos aînés qui souvent sont inquiets de devenir une charge pour leurs enfants. Avez-vous le sentiment de répondre à ces angoisses avec cette PPL? Cette motion de rejet est donc aussi une motion d'exigence. L'exigence politique de refuser de faire semblant. L'exigence humaniste d'entendre l'inquiétude légitime de nos concitoyens sur les drames qui se jouent tous les jours et vont immanquablement s'amplifier si nous ne faisons pas une véritable réforme du grand âge. C'est une motion d'exigence quant au respect de ce Parlement. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions. Nous ne pouvons pas être renvoyés aux conclusions d'un CNR ou d'hypothétiques engagements venant du banc des ministres quand il s'agit de légiférer. Monsieur le ministre, durant les débats en commission, le mot « consensus » a souvent été mis en avant comme un mantra par les parlementaires de votre groupe politique. Il est peut-être possible de faire de ce mot plus qu'une incantation de façade. Ajournons l'examen de ce texte et soumettez-nous votre projet de loi sur le grand âge. Chers collègues, je vous invite à voter cette motion de rejet dans un souci d'exigence, afin de ne pas consentir à la tactique des petits pas, afin de ne pas être complice d'une proposition dont le seul titre est un mensonge, afin de répondre avec honnêteté et courage aux souhaits de nos concitoyens qui attendent que nous bâtissions effectivement une société dans laquelle il serait enfin garanti à chacun, dès aujourd'hui et quels que soient ses moyens, quel que soit son territoire, de vieillir bien. Chers collègues, je vous invite à voter le rejet de cette proposition de loi afin de refuser clairement dès aujourd'hui que notre rôle de parlementaire ne soit que subsidiaire. Nous devons ici et aujourd'hui rejeter cette proposition de loi au nom de l'exigence, celle de jouer pleinement notre rôle dans la définition d'une politique du grand âge en réponse aux besoins exprimés par nos concitoyens et les professionnels du secteur et afin de contraindre ce gouvernement à respecter ses engagements. Merci, monsieur le député. Avant de passer aux explications de vote, je vous informe que sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisie par le groupe La France Insoumise, Les Républicains, Socialistes Apparentés, Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Adrien Clouet pour La France Insoumise. Merci, madame la présidente. Collègues, cela fait maintenant des années que vous nous promettez une loi grand âge, voire même une branche de la Sécu, et nous sommes réunis ce soir pour examiner les débris de vos promesses. Parce que ce texte consiste en un patchwork, d'ailleurs pas très inspiré, entre différents engagements que vous avez pu tenir et que vous avez réussi à raboter, alors même qu'ils n'étaient déjà pas très ambitieux à la base. Au final, on n'y voit guère que les manques. On voit qu'il manque un service public, on voit qu'il manque une branche de l'autonomie, on voit qu'il manque une revalorisation des aides à domicile, on voit qu'il manque un grand plan de recrutement, on voit qu'il manque l'argent renvoyé à fin septembre. Bref, on voit tout ce qui manque et tout ce qui manque, évidemment, occulte le peu que vous avez bien voulu y mettre, c'est-à-dire pas grand-chose. Dès lors, vos engagements valent uniquement pour celles et ceux capables de prendre soin d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et donc, vous arrivez par un miracle exceptionnel à nous proposer une loi sur l'autonomie qui s'adresse à celles et ceux déjà autonomes, formidables. Cette analyse, évidemment, ne trompe personne, même pas dans vos rangs,
puisque notre collègue Iborra a préféré quitter son poste de co-rapporteur sur le texte plutôt que de devoir l'endosser, ce en quoi elle a eu un éclair de lucidité que nous saluons politiquement et elle en a raison. Bref, ce texte se résumera essentiellement à commander des rapports, ce qui est évidemment toujours très intéressant, mais peut-être pas à la hauteur du moment et de l'urgence que nous connaissons. Suggestion, passons directement à des décisions et arrêtons de vouloir toujours délayer, repousser un ensemble de propositions qui sont par ailleurs majoritaires sur nos bancs. Le service public de l'autonomie, la nouvelle branche de la Sécu, tout cela est majoritaire et ce texte nous fait perdre du temps, c'est son seul contenu. D'autant que l'exposé des motifs est assez clair, vous dites l'espérance de vie en bonne santé française stagne et inférieure à la moyenne européenne. Pour cela, il y a une mesure préventive simple, le retrait de la réforme des retraites, ce sera la seule chose de bien que vous pourriez faire pour le grand âge. Merci monsieur le député, la parole est à madame Josiane Corneloup pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cela fait 6 ans maintenant que nous attendons qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse, présenter enfin la loi grand âge qui est demandée et attendue par tous les acteurs du grand âge. Cela fait 6 ans que le gouvernement et la majorité nous présentent des écrans de fumée qui ne répondent en rien à la situation catastrophique de nos EHPAD et aux besoins d'accueil et d'accompagnement de nos personnes âgées. Cette proposition de loi est une coquille vide, un coup de communication à peu de frais pour la majorité. Des réformes qui ne traiteront pas le fond, mais seulement la forme, le symptôme, mais pas la maladie. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux de Monique Iborra, membre de votre majorité, rapporteur de ce texte, qui a démissionné la veille de son examen en commission du jamais vu. Ce texte, c'est aussi une addition d'amendements du gouvernement, dont le dispositif fait plusieurs pages, réformant profondément notre paysage social et médico-social, mais avec seulement quelques lignes d'exposé sommaire pour les présenter et les expliquer. Ce texte, c'est une absence d'évaluation, une absence d'étude d'impact, pour en étudier ses effets, en particulier des mesures ajoutées en dernière minute. Mais ce texte, c'est surtout une absence de stratégie et une absence de moyens financiers et humains. C'est une absence de reconnaissance des femmes et des hommes qui, sans nos aînés, ne vivraient pas. Je veux aujourd'hui rendre hommage à l'ensemble des personnels intervenant tant à domicile qu'en établissement auprès des personnes âgées et personnes handicapées. Ils ont démontré leur dévouement, leur capacité de travail et d'adaptation. Nous ne pouvons tolérer que leurs conditions de travail soient aujourd'hui à ce point dégradées. Nous ne pouvons tolérer que les personnes âgées, personnes handicapées de notre pays ne puissent être accompagnées dignement, bénéficier de prestations de qualité respectant leur libre choix. Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de cette motion de rejet. Nous souhaitons que le gouvernement présente un projet de loi. Nous souhaitons que le gouvernement présente un projet de loi construit ensemble avec de réels moyens budgétaires qui permettent de pleinement prendre soin de nos personnes âgées et personnes handicapées. Merci Madame la députée. Mes chers collègues, je vous propose pour le bien vieillir des députés sur ces bancs d'essayer de diminuer le brouhaha et de s'écouter. La parole est à Madame Anne Bergans pour le groupe Les Démocrates. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs et chers collègues. Pour lever une nouvelle fois toute ambiguïté sur cette question, je tiens à rappeler que cette PPL n'est pas la grande loi autonomie du quinquennat. Ce n'est pas un projet de loi. Elle n'a jamais été annoncée comme telle, ni par ses rapporteurs, ni par le ministre. Mais il s'agit d'une pierre supplémentaire sur la question du grand âge, apportant une nouvelle garantie pour la protection de nos aînés, notamment sur le volet de la prévention, de la perte d'autonomie, de la valorisation des professionnels, de l'accompagnement à domicile, sur la promotion de l'habitat inclusif. Cela dit, ce texte, comme toute PPL, a vocation à être enrichi de nos propositions. Je me questionne donc sur la visée de cette motion déposée par les oppositions, laquelle exclut par principe l'idée même du débat et ferme la voie à toute amélioration proposée par les parlementaires. Des améliorations, nous en avons déjà apporté lors des 20 heures de débat en commission et plus d'un millier d'amendements en séance ont été déposés par l'ensemble des sensibilités politiques et par le gouvernement. Chers collègues, avant le vote de cette motion, il vous faudra répondre à ces questions.
Souhaitez-vous ou non la création d'un service public territorial de l'autonomie afin de simplifier les démarches et de coordonner les acteurs ? Souhaitez-vous ou non une politique de prévention ambitieuse et une politique du aller vers ? Souhaitez-vous ou non promouvoir la culture de la bientraitance dans les établissements et au domicile ? Toutes ces améliorations et bien d'autres figurent à l'ordre du jour de nos débats en hémicycle, si vous permettez que ce dernier ait lieu. Pour conclure, je vous rappelle également que tout ne relève pas de la loi. D'autres mesures suivront pour répondre aux défis du vieillissement démographique, notamment un plan de prévention des chutes, un autre sur l'attractivité des métiers ou encore le déploiement de MaPrimeAdapt. Par les avancées que cette PPL propose, nous pouvons faire l'économie de ces mesures et de nos débats. Je vous appelle donc à un esprit de responsabilité. Merci pour de voter conclure, contre chers collègues. Cette motion de rejet. Merci. La parole est à monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Merci madame la présidente. Dans cet hémicycle, et nous l'avons vu au moment des débats en commission, je n'ai entendu que des parlementaires venus de bancs très différents appelant de leur vœu la possibilité pour nous, parlementaires de la nation, de nous emparer enfin d'un sujet dont tout le monde nous parle dans nos circonscriptions, parce que nous fréquentons des familles, des aidants, des personnels travaillant dans les EHPAD. Tout cela espérait avec beaucoup d'impatience la promesse faite en juin 2018 par le président de la République. 5 ans de procrastination, et pour faire oublier cette impuissance, ou que dis-je, cette absence de volonté politique et de courage pour aborder un sujet central, celui de la transition démographique, des parlementaires Renaissance ont cru bien faire en proposant cette toute petite loi grand âge, qui est un écran de fumée qui génère plus de frustration et parfois de colère qu'il n'apporte de réponse. Et au moment où le gouvernement a fait le choix d'inscrire sur son temps législatif cette proposition de loi, le message que cette motion de rejet, et je remercie son défenseur, le message qui est porté est celui de dire « Revoyez votre copie, travaillons sérieusement tous ensemble, de manière, s'il le faut, transpartisane, pour aborder la question de la gouvernance, la question du financement, et certainement pas comme vous l'avez fait, par exemple, monsieur le ministre, en déposant ce week-end 10 amendements tombés du ciel, qui n'ont pas pu être examinés en commission. Alors on apprend que vous en retirez certains, vous en remettez d'autres. Il n'y a pas eu de travail de co-construction, il n'y a pas eu de travail qui s'appuie sur l'intelligence collective des parlementaires. Et donc cette motion de rejet, c'est... On renvoie en commission, on travaille tous ensemble et on fait enfin une vraie loi grand âge. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François Gernigon pour le groupe Horizon. Merci. Merci, madame la présidente. Nous voterons contre cette motion de rejet car cette PPL, bien que ce ne soit pas une cathédrale ni un projet de loi, permet, contrairement à ce qu'on entend, plusieurs avancées concrètes pour les personnes âgées et les professionnels du grand âge, notamment celles du domicile. Cela a été dit et répété, c'est une proposition de loi et donc elle n'a pas vocation à être la seule manière de répondre à tous les enjeux du bien vieillir. Tout ne relève pas de la loi, plusieurs mesures sont en cours de déploiement à l'instar de MaPrimeAdapt et le débat du grand âge ne s'arrêtera pas à cette PPL. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas agir. Ce texte, premièrement, répond à plusieurs demandes du terrain, comme pour la carte professionnelle à destination des métiers du domicile ou le soutien à leur mobilité, mais pourra également être encore plus dense après l'examen de nombreux amendements déposés. Elle permet d'avancer sur la définition d'une feuille de route dont la politique du grand âge a besoin. Nous formulons plusieurs propositions et nous souhaitons pouvoir en débattre dans cet hémicycle plutôt que d'enterrer les avancées permises par ce texte, pourtant demandé par les usagers, sous prétexte que cela ne répond pas à l'ensemble des problématiques. Le groupe Horizon votera contre cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Pétavi pour le groupe écologiste.
Madame la Présidente, c'est bon. Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, ce sont deux réformes complémentaires, mais il est clair que les branches retraite et autonomie sont interdépendantes. Si la première perd 25 milliards d'euros faute de réforme, l'autre sera en tension. D'où la nécessité de faire la réforme des retraites. Pour moi, il est logique de lancer désormais la réforme du grand âge. La vie ne s'arrête pas à la retraite. Monsieur le ministre, ce sont vos mots dans l'interview que vous avez donnée aux Parisiens mardi dernier. Nous y sommes. Cette fois-ci, pour justifier la réforme des retraites, ce n'est plus l'impérieuse survie du système, la dette ou encore la menace brandie de la baisse des pensions, mais le financement de la réforme du grand âge qui en dépendrait. Quoi d'autre demain? La réforme de l'hôpital, de l'éducation, de la protection de l'enfance? Force est de constater déjà qu'elle ne financera pas grand-chose. Mais que si, pour vous, la vie ne s'arrête pas à la retraite, encore faut-il, Monsieur le ministre, pouvoir la commencer. J'aimerais rappeler à nouveau qu'à l'âge actuel de la retraite, 62 ans, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Ils seront un tiers avec le report de l'âge légal. Il est peut-être un peu présomptueux aussi de parler de la réforme du grand âge quand le texte inscrit à l'ordre du jour était un texte initialement composé de seulement 14 articles et dont les accroches pour les parlementaires se résumaient à des amendements de rapport. Nous l'avons compris, pas de grand texte sur l'autonomie au sens large. Vous avez ainsi, Monsieur le Ministre, vous avez choisi ainsi, Monsieur le Ministre, de faire mauvaise fortune bon cœur en utilisant un véhicule législatif inapproprié. Doit-on y voir une habitude gouvernementale pour passer des réformes structurelles au sujet des majeurs protégés ou encore en instituant un service public territorial de l'autonomie? Je ne dis pas que ces ajouts vont dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais je crois profondément que toutes les personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient âgées ou handicapées, méritaient mieux qu'une semi-réforme passée par voie d'amendement. Je crois en effet que nous méritons mieux. Dans la perspective d'une véritable loi autonomie pour toutes les personnes soignées et accompagnées, le groupe écologiste était prêt à jouer le jeu de la co-construction. Parce que c'est pour elle. Merci de conclure, chers collègues. Oui. Il s'agirait pour ce gouvernement désormais de regarder la réalité en face. Vous n'avez pas de majorité entre ces murs. Vous souffrez d'un problème de méthode. Je vous remercie. Parce que votre gouvernement et cette majorité souffrent d'un président Monard. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Madame la Présidente. Au moment d'examiner cette motion de rejet, finalement, j'ai une pointe de tristesse. Un peu de peine parce que vous avez bien senti, vous qui présentez cette proposition de loi, qu'il y a là un véritable sujet, un sujet important. Et je vous reconnais quelques bonnes intentions. Mais nous ne pouvons pas accepter de légiférer de cette façon-là, de procéder à une loi de communication, à une loi qui en réalité fait semblant. Parce que c'est une loi qui en reste à afficher quelques intentions qui resteront sans effet et sans lendemain, parce qu'elles sont en réalité sans moyens. Donc c'est un sujet pour autant où les besoins sont immenses. Je crois qu'ils sont connus, ils ont été largement documentés. Madame la Présidente, vous avez vous-même produit un rapport sur le sujet il y a quelque temps de cela. Et il y a eu tant d'occasions manquées et nous aurions le sentiment à nouveau de manquer une occasion. Vous allez, Monsieur le Ministre, nous dites-vous saupoudrer un peu cette loi de quelques éléments supplémentaires, de quelques mesures. Ça n'est pas pour nous une manière sérieuse d'afficher une ambition politique et de construire une politique publique face à ces enjeux dont l'ampleur est largement connue. Nous ne pouvons pas travailler comme ça et nous ne voulons pas d'une loi dont les ambitions resteront lettres mortes. Nous voulons une vraie loi. Vous parlez d'une société du bien vieillir. Nous voulons une assemblée du bien légiférer. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Panifous pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Merci, Madame la Présidente, pour cette motion de rejet préalable. Nous voulons dire notre frustration, notre déception vis-à-vis de cette proposition de loi. L'attente des Françaises et des Français, l'attente des professionnels, l'attente des députés ici était grande. Nous espérions tous un grand projet de loi grand âge. Une grande déception donc, pour autant. Si ce texte apparaît très minimaliste, je dirais même insuffisant, il n'est pour autant pas vraiment négatif et apporte certaines avancées organisationnelles. Et c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra majoritairement sur cette motion de rejet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Renaissance.
Merci. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nos aînés sont les piliers de notre société. Leurs années d'expérience, de sagesse et de connaissances nous sont précieuses. Nous leur devons donc un respect inconditionnel et un traitement digne de l'héritage qu'ils nous laissent. Malheureusement, encore une fois, face à nos propositions, vous vous complaisez dans l'opposition. Vous nous dites que cette loi n'est pas assez riche et complète dans tact. Alors plutôt que de toujours faire des motions de rejet comme si c'était une simple démarche administrative classique de l'opposition, vous pourriez être pour une fois dans la co-construction. Sur un sujet aussi essentiel que la mise en place des politiques concrètes pour répondre aux besoins de nos aînés, vous n'avez aucun intérêt à faire de la politique politicienne. Seul M. Metzdorf a la parole. Souffrez que je me permette une petite question à votre égard. Où étaient vos propositions sur le grand âge lors de vos niches parlementaires? Vous, insoumis, vous avez préféré parler de la corrida. Vous, écologistes, vous nous avez sorti l'interdiction de la chasse le dimanche. Et bientôt, le GDR va nous sortir l'emploi local pour les fonctionnaires ultramarins. Lors de la précédente mandature, vous aviez remué ciel et terre pour que nous débattions du sujet. Enfin, nous y sommes. Ce texte est-il suffisant? J'ai envie de dire, est-ce que ce que nous faisons sera un jour suffisant pour nos aînés? Non. Nous leur devons tout et rien ne sera jamais suffisant pour leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Construire une société du bien vieillir en France est une entreprise essentielle pour le bien-être de tous les citoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et ce soir, c'est la première pierre d'un plus grand édifice qui est posé. C'est pour cela que le groupe Renaissance votera contre la motion de rejet qui est proposée. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Sandrine de Gorsuch pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, alors que la réforme des retraites va profondément réduire les perspectives du bien vieillir dans notre pays, le gouvernement propose, avec les députés macronistes, une proposition de loi écran de fumée afin d'améliorer la condition de nos aînés. Bien que ce texte ne soit pas du tout satisfaisant en l'état, vous y avez introduit l'une des mesures phares du programme présidentiel de Marine Le Pen, à savoir la création d'un droit opposable aux visites pour les patients et résidents en EHPAD. Pour lutter contre la maltraitance, il nous faut renforcer les liens des personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en établissement. La crise sanitaire a entraîné des situations profondément inhumaines sur cette question. Pourtant, la rupture de ce lien doit être évitée autant que possible. Ainsi, sur cette mesure que nous avions proposée dans le cadre de l'élection présidentielle demeure dans le texte voté en hémicycle, le patient accueilli au sein d'un établissement de santé bénéficiera d'un droit de visite de ses proches, sauf à ce qu'il ne s'y oppose. C'est là une avancée majeure dont nous nous félicitons. Pour cette raison, nous voterons contre la motion de rejet préalable. Ce texte mérite d'être examiné. Le Rassemblement national souhaite en discuter et remercie la représentation nationale d'avoir repris l'une des propositions du programme présidentiel de Marine Le Pen. Merci. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 315, exprimés 307, majorité 154, pour 141, contre 166. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
est suspendu pour quelques secondes. La séance est reprise et la parole est à Madame Caroline Fiat. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. En lisant le titre de cette proposition de loi, mes yeux se sont illuminés. Enfin, nous allions parler de nos aînés. Enfin, vous vouliez mettre à l'ordre du jour une loi sur les personnes âgées. Enfin, nous allions pouvoir retranscrire concrètement les propositions de tant de rapports et remédier à une situation scandaleuse de maltraitance institutionnelle, pour ne pas dire gouvernementale. Alors, quelle déception ! Nous avons un texte avec tout un tas de petites mesures bien loin de répondre aux enjeux. Même la défenseure des droits évoque que cette proposition de loi est un piètre substitut à la loi Grand Âge qu'on nous avait promise. Décidément, feu la loi Grand Âge tant attendue, devrions-nous nous en étonner ? À des réalités humaines incroyablement difficiles, vous répondez « bureaucratie, conférence, rapport ». Vous énoncez de grandes phrases que vous espérez suivies des faits. L'action sociale s'inscrit dans la prévention et la lutte contre les maltraitances, la belle affaire. Croyez-vous que les personnels veulent maltraiter leurs résidents et patients et qu'ils ont besoin d'une leçon de morale? Non, certainement pas. Chacune et chacun aimerait pouvoir faire son métier correctement. Il ne s'agit pas de promouvoir la bientraitance, mais de se donner les moyens d'éradiquer la maltraitance. Alors, où sont les 210 000 personnes dont nous avons besoin de toute urgence? Où est la mise en place du ratio de soignants auprès de chaque résident? Il est aujourd'hui réclamé, y compris par la défenseure des droits. Dans le rapport Fiat-Iborra, il y avait 30 autres propositions que vous passez encore sous silence. Vous ne reprenez aucune idée et à la place, vous inventez, par exemple, un dispositif d'alerte qui va culpabiliser et mettre en cause individuellement les personnels, alors que c'est tout le système, pour ne pas dire le gouvernement, qui est défaillant. Vous feignez de déplorer les conséquences de ce que vous avez vous-même créé. Un marché de la santé, un marché de la dépendance. Les mesurettes que vous proposez aujourd'hui n'y changeront rien. Malheureusement pour vous, s'occuper des plus fragiles n'est pas rentable. Par conséquent, seul le strict minimum est mis en place, mais toujours aucun moyen technique, aucun moyen humain et aucun moyen financier supplémentaire. Toujours rien pour éviter que les actionnaires se gavent sur le dos de nos aînés. À croire que le principe de l'or gris que les privés lucratifs ont mis en place ne vous pose aucun problème. Par conséquent, nous vivons dans un pays où les personnes âgées sont maltraitées en EHPAD, délaissées à domicile. Souvent, tout cela fait reposer sur les aidants une charge dont ils s'occupent avec tant d'abnégation. En EHPAD, à l'hôpital, pour les aidants, il y a tant à faire pour que chacune et chacun puisse vieillir dignement. Face au scandale de la maltraitance, à la pénurie de personnel et à la perte de sens de notre métier, vous répondez « logique gestionnaire, sanction, responsabilité individuelle ». Pour clôturer le tout,
Vous osez l'hypocrisie ultime de parler du bien vieillir en pleine séquence sur les retraites. Votre exposé des motifs affirme que bien vieillir, c'est vieillir, c'est vivre plus longtemps en meilleure santé. Cet énoncé est grotesque lorsque l'on sait que vous souhaitez en même temps passer en force une réforme qui va contraindre les gens à travailler plus longtemps, avec tout ce que cela comporte de décès supplémentaires, de maladies et de précarité. Nous avons bien pris en compte les nouveautés de la Commission ainsi que les amendements proposés par le gouvernement. Cependant, sans aucune garantie d'effectivité, ces potentielles avancées ne sont qu'un trompe-l'œil. On en a l'habitude. Décidément, rien ne va s'arranger pour nos aînés. Et je le dis ce soir, avec de la colère dans la voix, ce texte est vide. Il est un faux espoir très vite démasqué qui montre une fois de plus, une fois de trop, à quel point les personnes âgées ne sont pas votre priorité. Depuis juillet 2017, je vous ai alerté. Depuis mars 2018, le rapport est entre vos mains. Trouvez-vous digne de continuer à maltraiter nos aînés, eux qui souvent nous ont tout apporté. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Josiane Cornelloup. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans passera de 17 millions actuellement à 27 millions en 2050 et 4 millions de seniors seront alors en perte d'autonomie. Le secteur du grand âge fait face à d'importantes tensions en termes de personnel et de recrutement liées au manque d'attractivité des métiers du secteur de la personne âgée. Aussi, le manque de médecins généralistes se fait ressentir dans les EHPAD, mais aussi à domicile. Nous avons aujourd'hui besoin d'adapter notre société aux défis du vieillissement de la population française. La réforme du grand âge annoncée par Emmanuel Macron en 2017, demandée et attendue par tous les acteurs du grand âge, n'a cessé d'être repoussée. Les travaux préparatoires ont rarement été pourtant aussi importants. Le rapport Libault en 2019, le rapport Iborafiat, le rapport de la Cour des comptes en 2022, le rapport El Khomri sur l'attractivité des métiers du grand âge. La crise sanitaire nous a montré combien le secteur était en souffrance. En février 2022, nous avons examiné en commission des affaires sociales 4 rapports issus des 4 missions flash sur les EHPAD. Malgré tout cela, le gouvernement a lancé d'énième concertation en septembre dernier relative au bien vieillir. 9 mois de trop, alors que le diagnostic est clair et posé depuis des années déjà, nous devons passer des intentions aux actions. Le Conseil national de la refondation a d'ailleurs rendu ses conclusions lundi dernier, au moment même où nous débutions l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales. Ce calendrier est particulier. Selon vos propos, Monsieur le ministre, cette PPL n'est qu'un élément de réforme qui doit parachever la création de la 5e branche de la sécurité sociale. Tout cela est très complexe, alors que nous avons besoin de mesures justes, simples et efficaces. Nous ne pouvons aujourd'hui que constater que le chantier tant attendu du grand âge et de l'autonomie est bel et bien à l'arrêt, avec un calendrier et une méthode en incohérence avec l'extrême gravité de la situation. Cette attente est inacceptable alors que les difficultés de recrutement sont considérables et que l'inflation met en danger l'avenir des établissements et services pour personnes âgées et l'accompagnement du grand âge. Je veux aussi aujourd'hui rendre hommage à l'ensemble des personnels intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, tant à domicile qu'en établissement. Ils ont montré leur dévouement, leur capacité de travail et d'adaptation et leur grande réactivité au moment de la crise Covid. Nous ne pouvons davantage tolérer que leurs conditions de travail soient aujourd'hui à ce point dégradées. Après tous ces constats, nous sommes réunis pour étudier cette proposition de loi qui porte mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Les mots sont importants. Bâtir, lorsque l'on bâtit, on définit une stratégie, une méthode. De même, bien vieillir, de quoi parlons-t-on ? C'est vivre plus longtemps, en meilleure santé, grâce à une politique de prévention de la dépendance efficace et accessible à tous. C'est permettre à chacun et chacune de vieillir dignement, en respectant ses choix, ses attentes, ses droits. C'est garantir à chacun un hébergement adapté, correspondant à son âge et à son niveau de dépendance.
c'est lui permettre de bénéficier de prestations de qualité grâce à des professionnels en nombre suffisant, formés, soutenus dans leurs pratiques. Pourtant, cette proposition de loi ne satisfait aucun de ces points. Cette proposition de loi est une coquille vide. Elle est bien trop insuffisante car elle ne traite pas les causes profondes, seulement les conséquences qui sont le résultat de l'absence de réelle politique menée par le gouvernement sur ce sujet. Une proposition de loi technocratique avec des demandes de rapport qui diffèrent encore les actions. La création d'une conférence nationale de l'autonomie, quelque chose, une instance supplémentaire qui marque une régression dans la prise en charge puisque cette CNA sera restreinte aux seules personnes âgées et vient donc contredire la loi du 11 février 2005 qui posait le principe d'une convergence dans la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Où est la politique ambitieuse qui permettra aux 80% des Français de rester chez eux comme ils le souhaitent? Où est la politique ambitieuse qui permettra à chacun de pouvoir bénéficier d'un hébergement adapté, de bénéficier de prestations de qualité respectant le libre choix? Bien que largement réécrit, l'article 4, censé offrir un véritable dispositif d'alerte, de suivi et de qualification des situations de maltraitance, occulte totalement la maltraitance institutionnelle, celle qui n'est pas le fait des soignants, mais la conséquence du dysfonctionnement du système dans son ensemble. Elle est le fait d'effectifs réduits, d'une surcharge administrative. Les soignants ne peuvent plus exercer leur métier comme ils le souhaitent, c'est-à-dire passer du temps avec les résidents et respecter leur rythme. Que proposez-vous aux soignants épuisés qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font, qui sont en arrêt maladie, qui démissionnent et qui obligent ainsi les structures à avoir recours à des intérimaires? Merci. J'appelle de mes voeux un véritable collègue. Travail transpartisan sur cette question essentielle du bien vieillir. Notre groupe se positionnera en fonction des avancées que connaîtra ce texte. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Cyril Isaac Sibyl pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, nous y sommes. Ce n'est pas le grand soir, mais une nouvelle pierre apportée à la politique du grand âge. Depuis plus de 5 années, ici, nous sommes nombreux à avoir travaillé sur la question du bien vieillir et à avoir participé à de nombreuses missions et rapports. La première pierre, nous, parlementaires, nous l'avons posée en juillet 2020, en créant par amendement la 5e branche de la sécurité sociale, celle de l'autonomie. La deuxième pierre a été de doter la branche autonomie d'une programmation financière avec une prévention de dépenses pour le grand âge passant de 32 milliards en 2021 à 42 milliards en 2026, soit une augmentation de 10 milliards de dépenses en 5 ans. C'est considérable. Ce soir, nous posons la troisième pierre, une troisième pierre, il y en aura une quatrième puis une cinquième, mais ce soir, nous posons la troisième pierre grâce à cette PPL en faveur d'une meilleure prise en considération et d'un meilleur accompagnement de nos seniors, d'une nouvelle organisation et de la création du service public territorial de l'autonomie. Oui, c'est notre responsabilité, comme parlementaires, de donner et sans attendre des réponses aux conséquences de l'explosion démographique du vieillissement de notre population. Ce n'est pas demain qu'il faut le faire, c'est aujourd'hui. Et ceci sans querelle ou arrière-pensée politicienne. Je vous en prie, parce que nous partageons le même constat et avons souvent les mêmes réponses. Les problématiques du troisième âge, nous les connaissons. Vivre mieux, oui. Mais aussi vivre mieux en bonne santé et en conservant une autonomie le plus longtemps possible et chez soi aussi si possible. C'est le rôle majeur de la prévention, souvent négligé dans notre pays, j'y reviendrai. C'est aussi pour les personnes âgées et leurs familles être mieux aidées et accompagnées. C'est le rôle prépondérant des métiers du grand âge et nous le savons, les besoins sont immenses. Après que nous ayons déjà revalorisé ces métiers, cette proposition de loi veut renforcer leur attractivité, les fidéliser, les soutenir,
tant au domicile de la personne âgée que dans les établissements les accueillant. Par deux points, une reconnaissance que permet la création d'une carte professionnelle destinée aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et handicapées, c'est l'article 6. Le deuxième point, c'est le soutien pour financer leur déplacement au domicile, notamment par le soutien financier qu'apporte la CNSA au département pour une meilleure mobilité, un meilleur déplacement de ces professionnels, c'est l'article 7. Il nous faut aussi veiller à la bientraitance et lutter contre les formes de maltraitance, ce sera l'article 3 et 5 ter. Enfin, c'est simplifier la vie et les démarches des personnes âgées et de leurs familles en créant un service public territorial de l'autonomie qui garantira que chaque demande venant d'une personne âgée, d'une personne handicapée ou d'un aidant obtienne une réponse complète et coordonnée entre tous les acteurs de l'autonomie, quel que soit le département qu'elles habitent. Le groupe démocrate proposera plusieurs amendements visant à donner une architecture à cette politique systémique de prévention du premier kilomètre, je préfère cette expression au dernier kilomètre, jusqu'au pilotage national. Oui, cette politique a besoin d'un pilote qui définit une stratégie globale, des objectifs, des priorités, qui coordonne les acteurs et leurs actions. Tel est le rôle du gouvernement à travers la Conférence nationale de l'autonomie. Oui, ça sera un pilote. Grâce à un centre d'évaluation des actions et des initiatives déployées, grâce à des indicateurs, tel sera le rôle du Centre national de ressources probantes intégré à la CNSA avec le soutien de Santé publique France. Il aura besoin d'une déclinaison territoriale par le biais d'un service public mentionné auparavant, service public territorial pour l'autonomie. Il aura besoin d'un horizon temporel en inscrivant cette politique et ses financements dans une loi d'orientation de programmation quinquennale. C'est aussi un de nos amendements. Il aura besoin d'un partage des data et des données de santé afin d'aller vers les populations isolées qui en ont le plus besoin et de détecter le plus tôt possible les pré-fragilités, notamment grâce à la systémisation du repérage précoce des fragilités en s'appuyant sur l'outil ICOP, test d'auto-évaluation des capacités d'une personne. Cette avancée sera majeure. Nos débats vont être passionnants et passionnés. Notre groupe a un petit regret, celui de Madame. Merci de conclure, cher collègue. Complet pour enrichir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Guedge pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission. Symboliquement, j'ai tenu à venir accompagner à cette tribune. À côté de moi, ce sont la somme des rapports commandés par vos prédécesseurs, issus du travail parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui, à la suite de l'annonce du Président de la République d'une loi pour la fin 2019, ont accumulé de l'intelligence collective. Elle était nourrie, elle était concertée, et en plus, elle avait l'avantage d'être gratuite. Pas un seul cabinet de conseil n'est venu alimenter la réflexion. Ce sont des acteurs de terrain qui ont pu formuler ces propositions. Et si j'ai tenu à ce qu'ils soient à nos côtés aujourd'hui, c'est pour rappeler la frustration, je n'ai pas d'autre terme, que de voir que cette somme d'intelligence n'a pas suffisamment ruisselé. Non pas pour être dans cette proposition de loi, parce que je vais vous dire, moi je n'en veux pas aux collègues Renaissance qui ont fait tant bien que mal. J'en veux au gouvernement, monsieur le ministre. J'en veux à cette procrastination gouvernementale qui vous a fait dire avec beaucoup d'aplomb, il n'y a pas besoin de loi grand âge. Nous pouvons réformer le secteur à coup de PLFSS ou à coup de mesures décrétales. Nous avons vu pour le premier PLFSS dont vous avez la responsabilité qu'en matière de réforme systémique du secteur, ce n'était pas au rendez-vous. En matière de réforme financière, ce n'était pas au rendez-vous. Vous n'avez même pas réussi à honorer la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron qui disait 50 000 postes en EHPAD créés sur la durée du quinquennat. On pouvait naïvement s'attendre à ce qu'il y en ait 10 000 par an et votre PLFSS n'en prévoit que 3 000. Et
Vous voyez donc, cette PPL, elle a le mérite d'exister. Tout à l'heure, dans la motion de rejet, nous avons indiqué que nous souhaitions opérer ce travail transpartisan que des parlementaires souhaitent réaliser pour aborder la réforme dans son amplitude. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question solennellement ici dans l'hémicycle, Monsieur le Ministre, en avant-première peut-être de la feuille de route que vous allez présenter. Y aura-t-il une loi grand âge et autonomie ? Parce que vous-même, avec les amendements que vous avez déposés ce week-end, vous avez confirmé que vous aviez besoin d'un vecteur juridique pour défendre les propositions que vous estimez pertinentes et qui n'étaient pas dans cette proposition de loi. Et donc, vous voyez bien qu'on a besoin de ce vecteur. Et deuxième chose, est-ce que vous avez enfin la trajectoire financière qui permet d'atteindre les 9 à 10 milliards d'euros que je n'ai pas inventé, qu'Emmanuel Macron, en juin 2018, devant le congrès de la Mutualité française, avait identifié en disant « il faut 9 à 10 milliards d'euros, nous irons les chercher ». Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de reconnaître que la seule trajectoire financière, c'est 2 milliards d'euros de plus en 2024 avec 0,15 points de CSG, mais ce n'est pas au rendez-vous. Deuxième élément à travers cette présence, c'est que vouloir bâtir une société du bien vieillir, c'est le titre malheureusement un peu trompeur de votre proposition de loi, parce que si les propositions qui y figurent sont intéressantes, elles ne font pas système, elles ne font pas réponse globale à l'enjeu majeur qui est celui de la transition démographique. Et c'est la faiblesse principale de tout ce qui nous est présenté. C'est que parler du vieillissement de la population, parler de la révolution de la longévité, comment peut-on bâtir une société du bien vieillir sans parler mobilité, sans parler transport, sans parler lutte contre l'âgisme, sans parler gouvernance, sans parler de toutes ces professions qui, au quotidien, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, professionnels du domicile, contribuent à cette société du bien vieillir, rien dans votre proposition, alors même que leur intervention est à ce point déterminante. C'est ce qui manque dans le texte qui nous est proposé. Parler d'une société du bien vieillir avec un texte qui dit rien sur les aidants, alors même que les mesurettes qui ont été prises jusqu'à présent sont balbutiantes pour répondre à la hauteur de l'enjeu. Alors je sais que pendant 3 jours, Monsieur le Ministre, nous allons entendre comme une litanie. Ce sera dans la feuille de route que je présenterai dans quelques semaines. Mais vous voyez bien qu'on a inversé le débat parlementaire. Que normalement, soit vous nous donniez les clés du camion et vous nous disiez « c'est à vous de construire » parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de textes fédérateurs et ce texte-là pourrait être un texte fédérateur pour le pays, alors même qu'il n'y a pas de majorité et que personne ne peut avoir raison tout seul et qu'il faut co-construire. Moi, je suis au regret de le dire, y compris devant les rapporteurs et a fortiori devant le gouvernement, il n'y a eu aucune co-construction de ce texte. Il y a eu les amendements que nous avons pu adopter, mais quand on veut s'engager dans une réforme de cette ampleur, on l'a fait avec les uns et les autres. Alors nous allons continuer à jouer le jeu, mais c'est d'ores et déjà, je vous le dis, un rendez-vous manqué à la hauteur des ambitions que le pays attend. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François Gernigon pour le groupe Horizon et Apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission Affaires Sociales, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, comme Monsieur Gage, je monte à cette tribune accompagné. En effet, je souhaite débuter mes propos en vous parlant de ma mère. À 90 ans, elle fait partie de ces personnes âgées dont l'esprit est vif, mais les jambes ne suivent plus. Malgré cela, elle vit chez elle et elle refuse d'entrer dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle bénéficie de l'assistance personnalisée et adaptée de professionnels à domicile qui lui permettent de rester vivre dans sa maison grâce à des travaux d'adaptation et à cette aide pour le ménage, la toilette, le portage des repas notamment. Ces professionnels sont pour elle une bouffée d'air car c'est grâce à eux qu'elle conserve une certaine autonomie et peut continuer à vivre chez elle. La solidarité du voisinage joue également aujourd'hui un rôle crucial pour les courses et la veille au quotidien. Toutefois, le manque d'effectifs dans les structures d'accompagnement à domicile rend difficile la couverture des besoins en assistance, notamment le soir et le week-end.
Malgré l'importance de ces professions, il est difficile d'attirer suffisamment de professionnels qualifiés et formés, et ceux qui le sont dénoncent souvent des conditions de travail difficiles et un manque de reconnaissance. L'exemple de ma mère est malheureusement courant en France. De nombreux Français sont confrontés à la prise en charge de leurs parents et grands-parents, et d'autres en sont témoins. Il est important de se rappeler collectivement que le vieillissement ne signifie pas la fin de la vie. Les personnes âgées ont encore des projets, des envies, et elles ont besoin d'un accompagnement adapté pour vieillir dignement. La personne âgée doit rester citoyenne à part entière et rester actrice de sa vie. En effet, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans, âge moyen auquel survient la perte d'autonomie, passera de 1,4 million aujourd'hui à près de 5 millions dans les 30 ans. Bien que des avancées significatives aient été réalisées ces dernières années, notamment avec la création de la cinquième branche, le renforcement du soutien à domicile et la reconnaissance des aidants, par exemple, les professionnels et les usagers attendent des actions fortes pour une meilleure lisibilité et pour permettre le virage domiciliaire plébiscité par plus de 85% des Français. L'enjeu, bien sûr, est financier, mais sanitaire et social. Alors, cette proposition de loi répond à de nombreuses demandes des milliers de professionnels et de millions de personnes âgées sur le terrain. Elle s'appuie sur un débat nourri par différents travaux, y compris ceux menés par le gouvernement avec le CNR Bien Vieillir ces derniers mois. Parmi les mesures proposées, elle inclut la création d'une instance de pilotage national pour faire de la perte d'autonomie une priorité de nos politiques publiques, ainsi que des mesures visant à renforcer l'attractivité des métiers du domicile et du soutien à ces professionnels, tels que le déploiement de la carte professionnelle et un soutien financier à la mobilité. Elle vise également à renforcer la lutte contre la maltraitance et à permettre un meilleur repérage des personnes vulnérables par plusieurs mesures. Bien que cette proposition de loi prétende pas résoudre tous les problèmes de la politique du bien vieillir dans notre pays, elle a été présentée avec des mesures importantes et a été enrichie en commission, comme elle le sera au cours de cet examen. Parmi les ajouts proposés figure le déploiement sur tout le territoire d'équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, la sensibilisation universelle à la perte d'autonomie et l'adaptabilité des logements, ainsi que la création d'un service public territorial de l'autonomie pour garantir une réponse complète et coordonnée à chaque demande. S'attaquer à la gouvernance de l'écosystème du grand âge de manière pratique restera crucial, tant il a besoin de plus de simplification, structuration et lisibilité pour les acteurs et les usagers. Enfin, je salue avec l'ensemble du groupe Horizon les deux rapporteurs et plus largement le travail accompli sur ce sujet par l'ensemble de la majorité présidentielle. Nous soutiendrons cette proposition de loi parce qu'elle va dans le bon sens, parce qu'elle permet de nombreuses avancées pour nos aînés et les professionnels qui les accompagnent, parce qu'elle n'est qu'un projet de loi et qu'elle apporte son concours à un sujet crucial pour notre société et pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Pétavi pour le groupe écologiste NUPES. Madame la Présidente, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, chers collègues. Nous débutons l'examen d'un texte portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Diverses mesures, le terme est approprié. Entre l'examen en commission des affaires sociales et son examen en séance, nous sommes en effet passés d'une proposition de loi sans ambition à une proposition de loi puzzle. Proposition de loi puzzle où les demandes de rapport se transforment en liste de courses, témoignant d'un véhicule législatif inapproprié, restreint et coquille vide, avec de maigres accroches pour les parlementaires. Proposition de loi puzzle où les expérimentations sont pérennisées sans étude d'impact. Proposition de loi puzzle où sont insérées des mesures issues des conclusions du CNR Bien Vieillir et d'autres potentiellement issues des états généraux de la justice. Proposition de loi puzzle où les mesures de coordination de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale sur le territoire ne sont assorties d'aucune projection financière.
Et je serai honnête en reconnaissant qu'il y a des avancées dans ces pièces rapportées, comme la création d'une réserve sur les bénéfices des EHPAD privés lucratifs ou sur le développement et la sécurisation de l'accueil familial que notre groupe appelait de ses voeux. Mais soyez, monsieur le ministre, chers collègues, à votre tour honnête. Il n'y aura pas de loi grand âge, dédiée au grand âge, à l'autonomie, mais seulement une loi en kit, construite à coups d'amendements des rapporteurs et du gouvernement. Je sais pourtant la sincérité qu'il peut y avoir sur l'ensemble de ces bancs à ce que passe dans notre hémicycle une véritable loi grand âge et autonomie. Certains et certaines d'entre vous l'attendent depuis des années, ont épluché des rapports, en ont même produit. Je sais la sincérité de ces auteurs et de ces rapporteurs. C'est pourquoi ce texte, lui aussi, vous divise à nouveau. Comme les retraites, vous essayez de tenir tant bien que mal. Il vous divise parce que vous savez qu'il n'est pas à la hauteur. Vous savez que notre pays va devoir faire face à une révolution démographique. Vous savez qu'à partir de 2025 et pendant 30 ans, elle subira une arrivée massive de personnes âgées de 85 ans en perte d'autonomie. Vous savez que le modèle d'accompagnement de la perte d'autonomie liée à l'âge a largement évolué ces 20 dernières années, où le modèle de la maison de retraite s'est progressivement éteint pour laisser la place à celui de l'EHPAD. Vous savez aussi que si le virage domiciliaire a été engagé, il reste encore tant à faire pour permettre d'honorer à chacun et à chacune le souhait de vieillir à domicile lorsque c'est possible. Vous savez que cette révolution du bien vieillir ne se fera pas sans une transformation profonde de l'offre sociale et médico-sociale. Enfin, je ne vous apprendrai rien non plus sur cette dernière, ne se fera pas à moyen constant et que ce n'est certainement pas les 0,15 points de CSG supplémentaires affectés à la cinquième branche qui changeront la donne. La création de cette cinquième branche, qui, rappelons, a généré un grand espoir chez toutes et tous, pour les personnes accompagnées et les professionnels de terrain, reconnaître ce cinquième risque de la perte d'autonomie, c'était enfin reconnaître qu'il devait faire l'objet d'une politique de solidarité nationale. Et j'insiste sur les mots « perte d'autonomie », car la perte d'une loi grand âge et autonomie, c'est aussi l'absence d'un texte pour l'autonomie des personnes en situation de handicap, encore invisibilisée. La réforme du grand âge et de l'autonomie n'aura pas lieu. Alors oui, quand j'y pense, je pense bien évidemment aux personnes âgées qui attendent encore une nécessaire refonte de l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui subissent un reste à charge en établissement encore bien trop élevé ou pour qui l'offre présente sur le territoire n'est pas adaptée à leurs besoins ou à leurs souhaits. Mais je pense aussi à tous ces jeunes adultes et adolescents en situation de handicap, bloqués dans des établissements pour adultes, exposés à des environnements traumatogènes et inadaptés, par manque de place ou qui ne bénéficient pas d'un accompagnement adapté à l'école par manque d'AESH, ou à ceux qui décèdent aux urgences par manque de formation à la prise en soin du handicap. Je pense bien évidemment à tous les professionnels du secteur social et du médico-social qui attendaient une reconnaissance de leur profession. Chers collègues, je vous propose ainsi de rebaptiser ce texte afin d'en aligner le fond et la forme, proposition de loi en kit, portant quelques briques sur le grand âge et oubliant le handicap. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, j'imagine la discussion. Les collègues sont au bout de leur vie, ils se font secouer de tous les côtés, il faut qu'on trouve un truc. Soyons disruptifs, disruptons la disruption. J'ai une idée, si on faisait une loi sur le well-holding, on appellerait ça le bien vieillir. Pas bête, il faut envoyer un feel-good signal, un signal positif aux retraités. Et remplacer la loi qui ne viendra jamais, que nous avions promise sur le grand âge et l'autonomie. Mais c'est une idée géniale. Vous allez vite en besogne, et c'est peut-être une idée géniale, mais on n'a rien à mettre dedans. C'est pas grave, on a un beau titre, ça clignote bien. On dira que c'est une première pierre. On n'est pas prêt d'avoir construit les murs. Et nous y voilà, donc à cette loi étrange, je ne l'explique pas autrement. Pour cette fois, il n'y a pas véritablement de mauvaises intentions, si ce n'est celle de faire de la communication. Alors,
disons les choses d'emblée comme elles se posent, pour bien vieillir. Article 1. La loi sur la casse du droit à la retraite, avec le recul de l'âge légal et l'augmentation accélérée de la durée de cotisation, est abandonnée. Là, ça aurait de la consistance. Voilà une vraie mesure de prévention qu'elle serait bonne. L'un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d'infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l'incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail, disait Ambroise Croizat à cette tribune. Le problème, il poursuivait, le problème qui se pose à tous ceux qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. Les défis du bien vieillir, de l'accompagnement tout au long de la vie, du droit à l'autonomie sont considérables, sans quoi on fait grandir la malvie, l'angoisse et parfois le désir d'abréger l'existence. De nombreux rapports ont été rendus, de nombreuses propositions ont été faites. Il y a besoin d'un haut niveau de protection sociale qui englobe l'accompagnement à domicile et l'hébergement. Sans quoi, parler d'autonomie n'est que de la poudre aux yeux. Sans quoi, la solidarité repose sur les familles quand elles en ont les moyens. Sans quoi, la charge est transférée sur les personnes aidantes qui s'y épuisent quand elles peuvent être au rendez-vous. Et pour mettre en œuvre certains accompagnements et ce soutien à l'autonomie, il faut déployer un grand service public, il faut un grand plan de formation, d'embauche et de reconnaissance des métiers. Le problème, c'est que votre loi est pleine de vide. Vous faites semblant de légiférer, et quand vous légiférez, c'est par des amendements fleuves tombés du ciel, par exemple, concernant les personnes vulnérables. Sinon, il n'y a aucun dispositif opérant. Vous organisez une conférence dont on ne sait à peu près rien. Vous demandez des rapports sur à peu près tout. Vous inventez un dispositif contre l'isolement social qui existe à peu près déjà. Alors c'est vrai, vous pointez du doigt la maltraitance. Vous créez une carte professionnelle. Vous demandez à la CNSA de financer explicitement la mobilité des professionnels. Dont acte, il y a quelques intentions louables. Et je les loue, mais je ne les achète pas. Car la loi n'est pas la loi si elle en reste aux intentions, sans moyens juridiques et financiers. Nous avons le sentiment d'être invités à jouer le deuxième acte de votre pièce avant d'en ressortir pour retourner à la désillusion du monde réel auquel cette loi ne change rien. Alors si on veut être un peu plus charitable avec vous, on peut se dire que cela ressemble à une proposition de loi d'appel pour gansailler un peu le gouvernement, lui demander de faire un peu quelque chose. Gansaillons donc dans les quelques heures qui nous viennent pour voir ce qu'il peut sortir. Mais il serait temps de déployer une grande ambition politique et sociale, nationale, pour le troisième et le quatrième âge, pour le droit à l'autonomie. La création de la cinquième branche, par-delà les questions de gestion qu'elle soulève, n'y a jusqu'ici rien fait. Donc sortons des lois d'affichage. Et si vous voulez vraiment une société du bien vieillir, je me permets de le répéter en conclusion, renoncez enfin à abîmer le droit à la retraite. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Panifous pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, déception et frustration. Voilà l'état d'esprit de mon groupe parlementaire au moment d'aborder l'examen de cette proposition de loi consacrée au bien vieillir. Car après tant de promesses, dans ce quinquennat comme dans les précédents, nous ne comprenons pas la pertinence d'aborder ce sujet majeur dans un texte aussi restreint. Une autre voie plus ambitieuse était souhaitable et possible. Les réflexions sur le soutien à l'autonomie ne manquent pas. Tant de rapports, de consultations, de contributions pertinentes s'empilent aujourd'hui. Notre crainte est grande que cette proposition de loi ne fasse que retarder toujours plus l'avènement d'une vraie réforme d'ampleur, en donnant l'illusion de faire. En 2030, un tiers de la population française aura plus de 60 ans. Cette transition démographique entraînera des bouleversements sur des pans entiers de la société, qui dépassent la simple question de l'accompagnement médico-social et qui interrogent notre solidarité intergénérationnelle. Ces enjeux conséquents, complexes, méritaient un grand projet de loi ambitieux et cohérent. C'est un vrai projet de société dont nous avons besoin.
une réflexion politique presque philosophique sur la place de notre que notre société fait à ses aînés, sur les moyens collectifs qu'elle met en œuvre pour garantir dignité, citoyenneté, autonomie à toutes les étapes de la vie. L'objectif de cette politique publique, c'est d'assurer à chacun, quel que soit son âge, son lieu de vie, ses moyens, le droit et la capacité d'agir et de choisir pour lui-même. De vivre son vieillissement dans la sérénité, la dignité et non dans l'appréhension, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Pour cela, nous devons faire des métiers du lien notre priorité et aborder les questions d'effectifs, de formation, de salaire, de sinistralité, de conditions de travail. Nous devons nous assurer du bien-être des professionnels comme celui des personnes accompagnées. Nous devons également en finir avec les inégalités territoriales. Comment expliquer, par exemple, l'absence d'un volet consacré à l'outre-mer et aux territoires insulaires alors que le vieillissement y est plus avancé et l'accompagnement plus dégradé qu'en métropole ? Soyons clairs, la prévention de la maltraitance en institution ou à domicile, la difficulté de favoriser le maintien à domicile, le déficit colossal d'attractivité des métiers du soin, l'immense difficulté à recruter, tous ces sujets ne sont que les symptômes d'une seule et même carence, le manque de moyens humains et donc financiers. On peut réorganiser 100 fois les établissements et services, leur donner un nouveau nom, créer des commissions, changer le pilote. Ça ne servira à rien, c'est de la cosmétique. En politique comme ailleurs, faire et défaire, c'est toujours travailler, mais ça n'est pas avancer. Dire aux ARS qu'elles doivent augmenter fortement les contrôles à chaque scandale, alors qu'elles sont les mêmes, elles-mêmes démunies de personnel, c'est condamner ces contrôles à n'être qu'administratifs et encore, peut-être même simplement déclaratifs, pire encore, a posteriori, pour sanctionner au lieu de prévenir. Dire qu'il faut former plus d'aides-soignantes et d'infirmières, qu'il faut réformer la formation, très bien. Mais c'est du même ressort, car la réalité est qu'il existe de nombreux professionnels qui ne veulent pas ou plus travailler dans ces métiers du soin et du lien parce que les conditions de travail y sont bien trop difficiles par manque de personnel. Améliorer l'attractivité des métiers du soin, c'est améliorer les conditions de travail. Ce sont des plannings, ce sont des roulements, c'est réduire l'intensité des tâches pour prendre le temps de bien faire. Et tout cela passe par une hausse des effectifs, tout simplement. Aucune commission d'experts, aucun contrôle ou je ne sais quelle autre invention de réorganisation ne réglera cela. Nous sommes dans un métier du lien, du prendre soin, et à tous les niveaux. Il ne sert à rien de créer des instances pour constater des problèmes, pour coordonner ce qui ne fonctionne pas, renommer ce qui existe déjà. Et si on ne donne pas les moyens humains et financiers nécessaires à un accompagnement de qualité, à des conditions de travail attractives. Or, cette proposition de loi n'aborde pas non plus la question des moyens humains et financiers, alors que c'est le cœur du sujet. Les constats sont connus, les propositions sont nombreuses. Au fond, il ne manque qu'une chose, la volonté politique. La seule question qui vaille, c'est celle des moyens que les pouvoirs publics, l'État, sont prêts à accorder pour soutenir la dignité et l'autonomie de nos aînés. Et cette proposition de loi, pas négative en soi, n'y répond pas. Mesdames les rapporteurs, Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous n'avons qu'une crainte, ressortir de ces débats sans avoir concrètement amélioré la situation de nos aînés et de ceux qui en prennent soin, alors que l'urgence et les propositions sont là. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Freddy Certain pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous le savons toutes et tous, la question du grand âge et de l'autonomie est au cœur des débats sociétaux et de nos politiques publiques. Face au vieillissement de sa population, la France doit disposer d'un arsenal juridique et réglementaire à la hauteur des enjeux en matière de grand âge et d'autonomie, que ce soit au sein de structures spécialisées ou au travers du maintien à domicile. Selon l'INSEE, d'ici 2040, la part des 65 ans ou plus, portée essentiellement par la hausse des 75 ans, augmenterait fortement de 21 à 26%, soit une hausse de 5%. Globalement, un constat peut être fait. Notre population vieillit et nous n'avons pas le choix d'anticiper dès à présent ces bouleversements démographiques. Alors, nous nous devons d'agir maintenant, pour nos aînés de demain, évidemment, mais prioritairement pour nos aînés d'aujourd'hui. C'est en partant de ce postulat que les groupes de la majorité ont souhaité, dès l'automne dernier, travailler de concert pour répondre aux attentes, fortes et légitimes, de nos concitoyens et par conséquence de tout un secteur d'activité.
Ensemble, nous avons porté au sein de nos groupes respectifs l'urgence de la situation. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que nous puissions examiner la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Car oui, nous avons été nombreux au sein de la majorité à vouloir faire du grand âge et de l'autonomie l'une des priorités de nos travaux parlementaires. Je sais combien ce texte est attendu par tous les groupes ici présents sur les bancs de notre hémicycle. Et nous l'avons vu en commission, les débats furent denses et ils promettent de l'être aussi dans les prochaines heures. Ce soir et pour les jours à venir, gardons en tête, mes chers collègues, que nos concitoyens attendent beaucoup de ce texte et que nous leur devons d'aboutir collectivement. Je tiens évidemment à saluer le travail de nos deux rapporteurs qui, en co-construction avec les divers groupes, ont permis d'enrichir ce texte en adoptant en commission des affaires sociales plus d'une centaine d'amendements issus de chaque groupe politique. Avec toujours en ligne de mire l'objectif de permettre aux personnes âgées ou en situation de vulnérabilité de bénéficier à la fois d'accompagnement, de prestations de qualité et de mesures promouvant la bientraitance. Cet objectif ne pourra être atteint qu'à condition d'améliorer l'attractivité des métiers, de l'accompagnement et du domicile. Plus que jamais, nous nous devons de remettre l'humain au centre de nos préoccupations. C'est d'ailleurs ce que cette loi propose, tant pour les professionnels exerçant à domicile ou au sein des établissements médico-sociaux, que pour les bénéficiaires et leurs familles. Alors évidemment, nous savons que le chemin est encore long, qu'une véritable révolution est à faire au regard des enjeux qui nous attendent. Et cette proposition de loi, je souhaite le rappeler, n'a pas vocation de répondre à toutes les problématiques que ce secteur rencontre actuellement. Nous posons ensemble, avec ce texte, la première pierre d'un édifice aux fondations que nous souhaitons toutes et tous solides. Alors, permettez-moi d'attirer votre attention, mes chers collègues. Nous n'aurons pas la capacité de tout inscrire dans cette loi, ce n'est d'ailleurs pas l'objectif prévu par celle-ci, et j'espère que tous ensemble, nous arriverons à travailler de concert et en responsabilité. C'est du moins ce que j'appelle de mes voeux. Que nous puissions, collectivement, avancer sur des mesures fortes et pragmatiques, avec en ligne de mire la protection de nos aînés, de nos concitoyens les plus fragiles et des professionnels de ces secteurs qui attendent beaucoup de notre engagement à leur côté. Bien vieillir aujourd'hui en France, c'est renforcer le pilotage de la politique de prévention, de la perte d'autonomie des personnes âgées et lutter contre leur isolement social. Bien vieillir aujourd'hui en France, c'est préserver l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation de vulnérabilité au travers de la lutte contre la maltraitance. Bien vieillir aujourd'hui en France, c'est garantir l'accès à un hébergement et à des prestations de qualité pour nos aînés. Bien vieillir aujourd'hui en France, c'est enfin accompagner et soutenir tous les professionnels du secteur de l'autonomie, qu'ils soient en établissements médico-sociaux ou au domicile. Chers collègues, peu importe les bancs auxquels nous appartenons, nous partageons toutes et tous la volonté de faire avancer ces causes. Montrons à nos aînés que nous pouvons œuvrer ensemble en faveur de leurs droits. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Caroline Colombier pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, très loin d'être la loi grand âge tant attendue par l'ensemble de nos compatriotes, cette proposition de loi née au format XS, très petite taille, bénéficie depuis son passage en commission des affaires sociales d'un format intermédiaire et pour cause, 102 amendements y ont été adoptés. Même si des mesures comme l'attribution d'une carte professionnelle aux employés des services d'aide et d'accompagnement à domicile ont permis d'apporter de la tenue à ce texte, d'autres mesures sont quant à elles à réprouver totalement. Je ne m'attarderai pas sur la création inutile de comités Théodule comme à l'article 1er. En revanche, je souhaite m'apesantir sur l'article 9 qui émiette la solidarité familiale. En effet, cet article 9 supprime l'obligation alimentaire pour les petits-enfants et leurs descendants dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement. En somme, les petits-enfants n'auraient plus l'obligation juridique d'aider leurs grands-parents. C'est du jamais vu dans notre pays. Quand bien même cette disposition serait cantonnée à l'aide sociale à l'hébergement, la suppression de l'aide alimentaire en dit long de la manière dont les parlementaires siégeant sur ces bancs pensent la société dans laquelle nous vivons. Et vous en conviendrez,
Ce n'est pas en cassant tout lien familial, en faisant rupture avec la famille, que la société française prendra mieux en compte le vieillissement de la population. Lorsque nos grands-parents sont dans le besoin, il est de notre devoir de les aider. Accepter le contraire revient à nier l'un des piliers du renouvellement de notre société, à savoir la famille. Afin de bien cerner les enjeux du débat, il convient de revenir sur la définition de l'ASH, aide sociale à l'hébergement. Cette aide peut être demandée par des personnes âgées hébergées en établissement ou chez des accueillants familiaux qui ont des ressources inférieures au montant des frais d'hébergement. Le conseil départemental prend alors en compte pour l'attribution des frais pour l'attribution et le calcul de l'aide, les revenus de la personne et le cas échéant de ses obligés alimentaires, comme par exemple les petits-enfants. Pour justifier la suppression de cette obligation alimentaire, les rapporteurs font état d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2011 qui pointait un certain nombre de difficultés. Or, au lieu de résorber ces difficultés liées à l'obligation alimentaire qui nourrit différentes générations, les rapporteurs préfèrent la simplicité en supprimant purement et simplement l'aide alimentaire des petits-enfants envers leurs grands-parents. Il n'est pas acceptable de brûler la terre sur laquelle nous avons grandi. Si le régime de l'obligation alimentaire est source d'insécurité juridique, comme l'invoquent les rapporteurs, alors il est loisible au législateur de le modifier. En effet, si le Conseil départemental n'a pas la compétence juridique pour déterminer qui est obligé alimentaire, ni pour établir une participation aux frais d'hébergement et répartir le coût de celle-ci entre les obligés, nous pourrions tout à fait, en tant que parlementaires, proposer un barème de l'obligation alimentaire et encadrer le rôle du Conseil départemental afin de lui permettre d'exécuter et de sécuriser sa décision en matière d'ASH. Ce serait là, en effet, adopter une attitude responsable au service de la solidarité intergénérationnelle des petits-enfants aux grands-parents. Nous pourrions éviter toute tension au sein des familles en clarifiant l'obligation alimentaire et non en la supprimant. Aussi, le Rassemblement national entend se poser en défenseur de la solidarité familiale. C'est pourquoi nous sommes catégoriques. Si ce texte contient quelques avancées pour nos aînés, cet article 9 est un point de non-retour pour le Rassemblement national. Si l'article 9 n'est pas supprimé, nous voterons contre ce texte. Si l'article 9 est supprimé, nous voterons pour ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Véronique Besse, au nom des députés non inscrits. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, j'aurais aimé me réjouir et dire « enfin une loi sur le grand âge ». Cette loi promise par le président de la République, cette loi tant attendue par les personnels, les familles et bien sûr les personnes âgées, mais il n'en est rien. Et pourtant, une véritable loi grand âge aurait, par les temps qui courent, pu fédérer. En effet, il ne s'agit pas de politique politicienne et nous sommes aussi tous concernés par la question. La loi que vous nous proposez, pour moi et beaucoup d'entre nous sur ces bancs, une provocation. Aucune avancée significative. Rien qui puisse rassurer celles et ceux qui travaillent auprès de nos aînés. Par contre, comme pour brouiller le message et faire oublier très vite cette proposition de loi qui est vide, on amuse la galerie avec des annonces. Réforme du grand âge dans la foulée du Conseil national de la refondation, plan d'action, échange sur la gouvernance et le financement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, etc., etc. Bref, le message est inaudible, rien n'est clair, ou du moins tout est fait pour gagner du temps et faire croire que les choses avancent. Et pourtant, il y a urgence. Nos personnels en établissement ou à domicile n'en peuvent plus. 43% d'entre eux envisagent à court ou moyen terme une reconversion. Les aidants, que vous n'évoquez même pas dans la loi, s'épuisent, sont démunis et livrés à eux-mêmes. Et nos anciens ne sont pas pris en considération, alors que nous leur devons toute notre reconnaissance, notre accompagnement et notre affection. Quatre grands thèmes auraient dû constituer le cœur de cette proposition de loi. Et je salue d'ailleurs la proposition de loi de notre collègue Jérôme Guedj, très complète sur le sujet et que j'aurais volontiers co-signée. Quatre grands thèmes donc, le logement,
85% de nos anciens souhaitent rester à domicile. Il faut que les logements soient adaptés. L'État doit prendre sa part de responsabilité. Et par ailleurs, nos EHPAD ne sont pas humainement adaptés au grand âge et à la perte d'autonomie. La santé, avec le volet prévention, doit être une priorité pour que nos aînés vivent le plus longtemps possible en bonne santé. Le personnel doit être mieux accompagné, mieux reconnu, mieux formé. La carte professionnelle que vous proposez pour les personnes qui interviennent à domicile est un gadget. Pour être à la hauteur des enjeux, il faudrait recruter 100 000 professionnels dans les 5 prochaines années et avoir un taux d'encadrement minimal équivalent à 8 soignants pour 10 personnes âgées. Et dernier point, pour ne citer que les plus importants, les finances. Nous avons tous lu les mêmes rapports concluant sur le fait qu'il manque 10 milliards d'euros chaque année dans le secteur de la dépendance et qu'aujourd'hui, la situation financière des établissements est très délicate puisque 85% des EHPAD publics et privés sont en déficit. Mais bien au-delà des chiffres, il faut remettre la personne âgée au cœur de toutes nos réflexions. Par exemple, l'isolement des personnes âgées est un drame qui devrait tous nous interpeller. Selon une étude des Petits Frères des Pauvres, 530 000 personnes âgées seraient aujourd'hui en situation de mort sociale. Monsieur le ministre, la continuité et la qualité de l'accompagnement de nos anciens est en péril, malgré toute l'énergie et le professionnalisme des équipes, le soutien des familles et des bénévoles. Cette situation est doublement intolérable. D'abord, car loin de se préparer à la vague grise qui arrive, notre pays n'accompagne pas comme il le devrait nos anciens. Je vous rappelle qu'en 2040, c'est-à-dire dans moins de 20 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront 25% de la population. Ensuite, parce que les solutions sont connues par tous depuis longtemps. Les différents rapports, Libault, El Khomri, Broussi, tous ont présenté les solutions à même de relever le défi de la transition démographique et d'assurer un accompagnement respectueux et humain pour nos aînés. Tous préconisent une réforme majeure du secteur du grand âge, incluant des financements pérennes et des recrutements massifs. Monsieur le ministre, l'état des lieux, nous le connaissons. Les solutions, nous les connaissons. Alors, qu'attendez-vous ? Face à cette situation plus qu'alarmante, le déni est intenable et le courage politique inexistant. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close et la séance est suspendue pour 5 minutes.
La séance est reprise. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. Avant l'article 1er, l'amendement 551. Madame Gru... Oh, pardon. Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Je ne sais pas. Monsieur le ministre, allez-y, pardon. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Vous dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos interventions. J'y ai vu beaucoup de points communs dans nos constats. J'ai entendu beaucoup de fois le mot consensus. Et s'il y en est un particulièrement sur lequel on est d'accord, c'est que ce texte n'est pas un projet de loi. Ceci n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi qui s'intègre dans un projet de réforme beaucoup plus large. Je l'ai dit en discussion générale, commencé en 2020 avec la création de la cinquième branche et toutes les mesures qui ont suivi, poursuivies en particulier avec les projets de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023. Ceci est une première brique d'une nouvelle étape. Il y en aura une seconde avec une feuille de route que vous avez annoncée, Monsieur Guedj, tout à l'heure, que je présenterai fin mai, début juin, et puis des discussions concernant les sujets de gouvernance et de financement qui pourront avoir lieu dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec des sujets qui méritent d'ici là d'être travaillés. J'y fais référence également une mission de la députée socialiste Pires Beaune pour travailler sur la question du reste à charge en EHPAD, qui est une question importante, et puis un groupe de travail que nous allons mettre en place avec l'Association des départements de France pour travailler sur l'avenir de nos EHPAD. Tous ces sujets sont liés et font bien un tout qui est une grande réforme pour le bien vieillir dans notre pays. Vous dire également que cette proposition de loi est une proposition de loi sérieuse. L'ensemble des dispositions qui sont inscrites sont des sujets qui ont été travaillés, soit parce qu'ils sont issus de la longue liste des rapports que nous avons tous évoqués tout à l'heure, soit parce qu'ils font l'objet de consensus dans l'écosystème large du grand âge, que ces mesures ont été d'ailleurs discutées avec eux. Vous précisez également que les seules mesures qui rejoignent les conclusions du CNR qui ont été introduites dans cette proposition de loi sont des mesures qui concernent nos aides à domicile et le financement, le soutien à la mobilité, la carte professionnelle, qui n'est pas une mesure gadget, Madame Bess est peut-être partie, mais qui n'est pas une mesure gadget. Si elle avait discuté avec ses auxiliaires de vie, elle aurait vu que c'était une mesure qui est extrêmement attendue par elle. Tout comme la question du financement de temps collectif, de temps aussi d'analyse des pratiques professionnelles qui est important. Et que par ailleurs, pour répondre à votre commentaire sur l'introduction d'amendements du gouvernement pendant le week-end, les amendements qui ont été déposés par le gouvernement l'ont été dans les délais impartis. Et parmi ces amendements, il n'y en a que deux qui sont des mesures effectivement qui venaient en dehors du cadre habituel. C'est celle sur le service public territorial de l'autonomie qui a été largement discutée, attendue et travaillée notamment avec Dominique Libault et la CNSA. Et puis les mesures concernant la moralisation du secteur privé commercial et notamment celle sur le réinvestissement de bénéfices au service de l'amélioration de la qualité d'accompagnement au sein des établissements. Bref, la méthodologie que nous avons choisie, c'est une méthodologie, encore une fois, robuste et sérieuse, qui permet d'inscrire dans la loi dès maintenant des mesures qui sont mûres, qui sont prêtes, qui sont consensuelles, qui sont sérieuses et qui ne coûtent pas 17 milliards d'euros, c'est vrai, et qui nécessitent effectivement d'être introduites dans la loi.
Alors, moi, ce soir, vous avez fait référence à tout un tas de mesures. Je pense aux Français qui seront contents demain d'avoir une vraie, de pouvoir bénéficier d'une vraie politique de prévention de la perte d'autonomie au niveau national dans notre pays. À toutes les personnes isolées, vous avez fait référence au rapport des petits frères des pauvres. C'est 2 millions de plus de 60 ans qui souffrent de solitude. C'est 530 000 personnes qui sont en mort sociale, en situation de mort sociale, ce qui est absolument terrible, et que les dispositions dans le texte, d'ailleurs, que vous appelez de vos voeux depuis longtemps, monsieur Gedge, auxquelles vont pouvoir apporter des réponses, eh ben, on vous a écouté, on a enrichi le texte, on a travaillé avec les députés de la majorité. Eh ben, tout finit par arriver. Et puis, aux Français vulnérables, qui attendent aussi qu'on les protège mieux avec les nombreuses mesures, mais que j'imagine vous décrirez, Madame la rapporteure, qui permettent de lutter contre la maltraitance. Je ne reviens pas sur les mesures qui concernent les intervenantes à domicile et qui sont extrêmement attendues par elles, ni même l'inscription dans la loi de la trajectoire de recrutement dans les EHPAD, ou encore l'aide que nous apportons aux personnes en perte d'autonomie et à leur famille grâce à cette proposition de loi. Bref, des mesures qui sont extrêmement concrètes, qui vont permettre de s'attaquer à des problèmes du quotidien, des mesures qui sont particulièrement attendues et qui méritent d'être mises dans la loi et mises en œuvre extrêmement rapidement. Merci, monsieur le ministre. Madame la rapporteure. Merci, madame la présidente. Je souhaiterais m'adresser à monsieur Darézine. Car, honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié la scénette que vous avez faite tout à l'heure. J'ai trouvé qu'elle était inappropriée. Vous avez mis en cause l'engagement de nombre des députés qui ont travaillé depuis des mois, des années, pour avancer sur ce texte. Je veux parler de certains qui sont là ce soir, qui ont travaillé sur tous ces apports qui, aujourd'hui, vont changer vraiment le quotidien de nombre de nos concitoyens. Et la scénette que vous avez présentée ne me semble pas du tout en adéquation avec le respect qu'on doit avoir de chacun d'entre nous et des textes que nous portons. Ce texte, ce soir, vous pouvez le critiquer. Nous l'avons entendu, mais pas mettre en cause l'engagement et l'investissement de tous. Il va apporter des avancées notables. Le premier, par exemple. Lorsque j'étais maire, j'étais élue locale comme nombre d'entre vous, on a vécu la crise, la pandémie, la crise Covid. Du jour au lendemain, on nous a demandé d'aller vers et de pouvoir accompagner les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, en tout cas celles qui sont fragilisées. Et nous n'avons pas, à cette époque-là, les moyens pour lutter contre cet isolement social. Demain, nous le pourrons. Lorsque j'étais médecin coordinateur en EHPAD, j'aurais bien aimé avoir un financement pour pouvoir apporter de la prévention dans la perte d'autonomie, nutrition et autres. Donc ces amendements qu'on a présentés, dont vous vous moquez aujourd'hui, vont apporter cependant demain beaucoup de confort, beaucoup de bien-être à nombre de nos concitoyens. Vous ne voyez pas l'intérêt de la Conférence nationale de l'autonomie, et pourtant elle a un intérêt. Parce que nous devons aujourd'hui avoir une vraie politique dans la prévention de la perte d'autonomie, parce que c'est un enjeu dans la transition démographique. Demain, en 2030, il y aura plus de personnes qui auront plus de 65 ans que ceux qui auront moins de 15 ans. Et enfin, aujourd'hui, le SPTA est demandé. Pourquoi ? Parce que moi, je vois dans mes consultations beaucoup de personnes, des patients, mais également des aidants familiaux qui ont du mal à trouver le guichet unique dont on parle tant. Et aujourd'hui, c'est une étape. Le SPTA est une véritable étape. Une première pièce à l'édifice, mais une pierre indispensable. Merci, madame la rapporteure. Monsieur Bazin, pour un rappel au règlement. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame les rapporteurs... Sur quel fondement, s'il vous plaît ? Oui, sur le fondement de l'article 100 du règlement, sur la bonne tenue de nos travaux et la discussion des amendements qui viennent après la discussion du texte.
là, aujourd'hui, alors, soit on fait un jeu parce qu'il n'y a plus de députés de la majorité et donc vous voulez occuper le temps jusqu'à minuit et on ne discute pas des amendements. Moi, je pense qu'il y a une vraie attente qu'on puisse discuter des moyens. On ne va pas faire le débat avant le débat. Discutons des amendements et arrêtons ces réponses individuelles. Moi, je respecte le collègue Pierre Dharréville qui était profondément sincère dans son explication. C'est un combat qu'il porte depuis longtemps et moi, je n'ai pas été choqué par ses propos. Je propose qu'on en vienne aux amendements. Merci, monsieur le député. Pour répondre à votre rappel au règlement, il est possible, à la fin de la discussion générale, au ministre rapporteur de prendre la parole. Je n'avais pas l'information sur le fait qu'il souhaitait prendre la parole, donc j'ai terminé la discussion générale. Mais voilà, après la suspension, je ne me vois pas refuser au ministre, au rapporteur, de répondre aux discussions générales. Madame la rapporteure, j'ai bien vu que vous vouliez la parole, mais vous savez que le rappel au règlement passe en priorité. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi aussi, j'aimerais répondre à quelques points qui ont été soulevés pendant cette discussion générale, notamment à mon collègue Jérôme Guedj, qui précise que nous ne faisons pas un texte en pensant aux aidants. Quand nous prenons des mesures pour répondre aux préoccupations des familles, bien évidemment, nous pensons aux 4 millions d'aidants, de proches aidants des personnes âgées. Et au sujet des aidants, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les associations d'aidants qui le disent, nous avons fait sur les 5 dernières années plus qu'il n'avait jamais été fait en faveur des aidants. Si la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015, sous la présidence de la République de M. Hollande, a consacré à instaurer le droit au congé de proches aidants, force est de constater que ça ne fonctionnait pas, chers collègues. Et pourquoi ça ne fonctionnait pas? Les études montraient que moins de 10 congés étaient demandés par an. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas? Premièrement, congé non indemnisé. C'est un frein à la prise de congé, nous l'avons indemnisé. Deuxièmement, des conditions de prise de congé extrêmement contraignantes. Nous l'avons également fait. Nous l'avons fait. Nous avons également permis le transfert de jours de congé de professionnels volontaires pour les congés de proches aidants. Nous avons installé des plateformes de répit pour recenser l'offre de répit. C'est absolument indispensable pour que les proches aidants puissent tenir, souffler. Nous avons aussi adapté le droit au travail pour que les personnes puissent se faire relayer à domicile sur plus de 24 heures. Donc un certain nombre de choses ont été faites. Et puis nous avons initié la stratégie de soutien aux proches aidants de 2019 à 2022 avec un comité de suivi qui témoigne et atteste du fonctionnement de tout ce que nous avons mis en place. Tout cela, c'est pour dire que parfois, et sans doute bien involontairement, les parlementaires instaurent des choses comme le congé de proche aidant. Et puis ça ne marche pas parce qu'à côté, il n'y a ni les moyens ni les modalités d'organisation qui font que ça puisse être opérationnel. Eh oui. Et puis j'aimerais aussi répondre à ma collègue Caroline Fiat sur la question des alertes relatives à la maltraitance. L'alerte, elle n'est pas faite pour stigmatiser tel ou tel. L'alerte, nous en avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, si nous savons qu'il existe des situations de maltraitance, nous ne pouvons pas les comptabiliser, encore moins les analyser et encore moins y répondre. Donc c'est essentiel. Et la question des alertes pour lutter contre les maltraitances, elle n'est pas faite pour stigmatiser telle ou telle personne. Nous savons toutes et tous que les maltraitances individuelles et conscientes, et fort heureusement, sont très très rares. Ce sont des phénomènes bien plus complexes qu'il est indispensable d'analyser, qui renvoient à des vécus très différents, et ça n'est pas stigmatisé, mais c'est une nécessité de pouvoir comprendre ces situations de maltraitance si nous pouvons pouvoir y réagir collectivement. Merci, Madame la rapporteure. Donc, vu que j'ai appelé l'amendement 551, Madame Gruet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Après le débat sur les retraites mal ficelées, la représentation nationale
est appelé à travailler sur une proposition de loi dont l'objectif très ambitieux serait de bâtir la société du bien vieillir en France. Bâtir une société du bien vieillir est fondamental dans notre pays. Il s'agit d'un projet majeur sur lequel un débat de fond doit pouvoir être mené. Or, ce n'est pas le cas de l'actuelle proposition de loi. Cela passe d'une part par une modification du titre premier, de sorte qu'il soit plus modeste. C'est le sens de cet amendement. Cette proposition de loi n'est pas le projet de loi grand âge promis et attendu depuis des années. Et même si le titre premier a été changé en commission, c'est révélateur de la première intention de cette proposition de loi en écran de fumée. Elle manque d'ambition et il apparaît primordial de faire des propositions pour favoriser la prévention de la perte d'autonomie, pour susciter des vocations dans les métiers du prendre soin en les revalorisant, et enfin, de réellement se donner les moyens de répondre aux attentes des Français pour bien vieillir dans la dignité. Merci. Merci, Madame la députée. Madame la rapporteure, votre avis ? Merci, Madame la présidente. Nous en avons discuté en commission, ça a été l'objet effectivement de votre premier amendement. Vous voulez changer le titre 1 et suggérer de l'intituler « Diverses mesures concernant la perte d'autonomie des personnes âgées et de lutte contre l'isolement social ». Honnêtement, et vous le savez, je ne peux pas être en adéquation avec votre proposition, parce que les dispositions des articles 1 et 2 sont des dispositions importantes qui concernent la prévention de la perte d'autonomie, la lutte contre l'isolement social. Vous ne parlez ni du pilotage de cette politique, ni de l'isolement social. Donc je ne peux pas être favorable à votre amendement, et j'émets un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, votre avis. Oui, Madame la présidente, Madame la députée, avis également défavorable de la part du gouvernement. Le titre que vous proposez ne vise pas précisément les mesures qui sont incluses dans cet article premier, qui vise précisément la prévention de la perte d'autonomie, et c'est vraiment l'objet de cet article premier de la proposition de loi. Si on ne vise pas ces mesures, on passe à côté du fond de cet article premier qui est extrêmement important, car on ne peut pas bien vieillir si on ne vieillit pas en bonne santé et si on ne prévient pas cette perte d'autonomie tout au long de la vie. Je vous l'ai dit, cette proposition de loi, elle a de fait, parce que c'est une proposition de loi, un objet qui est limité, elle s'inscrit dans une réforme qui est beaucoup plus large et qui intègre d'autres dimensions et d'autres publics, et donc le titre de cet article premier est approprié à son contenu. Et donc avis défavorable, je le répète, à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur Certin, puis Monsieur Bazin. Oui, Madame la Présidente, je demande une suspension de séance de 5 minutes. Elle est de droit. Prochaine séance demain à 15h, ratification des amendements portant création de l'Organisation maritime internationale, accord France-Andorre concernant l'amélioration de la résilience climatique, suite de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. La séance est levée.